Bonjour, c'est Gray Fox. Je vous propose dans cette vidéo une compilation des succès de Forge Magie réalisés sur plus d'un an. Je pense que c'est un peu un anti-stress pour Forge Mage. Bon visionnage. Alors, on commence avec une amulette séculaire. Je tiens à préciser que pendant plus d'un an et demi, j'ai essayé d'en passer une 4%. Ça m'a rendu complètement fou. J'ai calculé, je suis à plus de 100 millions de runes sur cet item. Et là, enfin, j'ai réussi à passer quelque chose. Bon, le jeu ne me convient pas vraiment. Mais vous allez voir ça tout de suite, ça va être relativement correct. Donc là, j'ai fait tomber le PA avec une pavie. Donc je remonte les dommages à 12. Ensuite, les récris qu'on va remettre au max, bien sûr. Et là, grosse hésitation parce que j'hésite entre remonter l'agilité à 25, ce que j'aurais préféré, mais que je ne fais pas finalement car il me restait 90 de puits pile, ce qui me permettait de tenter 15 runes repair. Et vous allez vite voir que j'ai bien fait de le faire, puisque j'en passe une à la toute dernière. Hop, ce qui nous fait un over 4% feu. Et là, je prends un petit screen qui ne sert complètement à rien, on va dire c'est pour se donner de l'espoir. Et le PA que je stresse complètement à l'idée de passer, parce que j'en peux vraiment plus de cet item. Et ça passe! C'est toujours ça de prix, ça fait plaisir. Bon alors là, le PM vient de tomber avec des runes tacles. Je fais un jet mono-élément pour un perso full intel. Donc bon, j'ai mis cet item parce que j'ai envie de sortir une vidéo sur l'AFM, mais clairement ça c'est très très moche. Hein. Il manque la chance et les dommages hauts, donc c'est très simple AFM. Sur ce genre de choses, je prends normalement que du 4% minimum ou 3% plus invoque ou PO. Mais bon, voilà, ça fait un peu de matière. Alors là, je suis obligé de remonter la vitalité avec une pavie, sinon j'aurais été à 339. Et je prends en général 345 vita mini sur mes items. Donc voilà, on a remonté de la vitalité avec un petit over forcément. Là, j'ai failli oublier de redescendre la vitalité, ce qui aurait été dramatique si j'avais tenté de la rune dommage. Heureusement, je le vois et je remets une rune agilité. Ensuite, on remet les dommages. Et ensuite, on va partir sur un petit exo res neutre, il me semble. Hop. Bon, on a que cette rune. Il y en a combien qui passent? Les trois premières. Avec le petit PM, c'est toujours ça de pris. Alors là, il n'y a pas du tout de chance, donc il faut remonter la chance, mais sinon le reste est presque bien, il faut juste remettre un petit peu de retrait PA et de dommages critiques. Alors la chance qu'on va monter à 60. Hop, donc il y en a deux qui critent, ça c'est vraiment chouette. Ensuite, le retrait PA. Les dommages critiques. Il nous reste combien là? Hop, voilà, donc là on a un jet qui est pas mal, il nous reste 53, sauf que là j'aimerais bien avoir 54 pour pouvoir tenter 9 runes. Alors je suis en train de recompter mon puits, mais je me suis complètement loupé, vous allez voir pourquoi. Alors premier fail, l'intelligence elle est à 56, au moment où j'ai FM j'ai pas vu, alors que j'aurais dû la remonter à 59. Donc déjà ça nous fait un jet bien pourrave. Dommage que je l'ai pas vu sur le coup. Et donc là je compte et j'avais effectivement, j'avais un depuis, on va dire un résidu que j'avais des runes d'avant. Et ce qui fait qu'en fait j'ai un de plus que ce que j'avais compté. Au moment où le PA tombe, j'avais déjà un depuis sur l'item. Donc j'ai les 54 selon mes calculs. Et on part en exorèse. Alors la première qui crit, ce qui fait que je peux en retenter une, on est déjà les 3%, je tente les 4%. Et là, bam, l'intel qui tombe. Et bien sûr, c'est toujours sur un jet merdique que le PA repasse, hein, c'est le théorème de l'emmerdement maximum, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et là, je suis en panique complète, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, en regardant la vidéo après coup, je me suis rendu compte que j'avais fait tomber le PA avec une rune retrait PA. Et elle ressemble beaucoup aux runes tacles, et j'ai compté que c'était un tacle en fait. Donc j'avais 3 de puits de moins que ce que je pensais. C'est pour ça que vous voyez que j'enlève 3 d'intel, c'est les 3 de puits que j'avais compté en plus. Donc énorme fail, le double échec on va dire, d'une part sur l'intel que j'avais pas remonté à la base, et en plus sur le puits que j'ai compté comme un pied. Bon, on va quand même essayer de le vendre, mais je suis un peu triste quoi. On va terminer cette vidéo par quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Alors ça c'est mon voile, j'ai mono-élément bien sûr, j'ai terre et je vous laisse regarder, on a 40 sagesse, on a 70 en force, 347 de vitalité, on a 8 dommages, ce qui est relativement correct pour du mono-élément. Et surtout, un over de 3% reste feu.
Ce voile, j'ai joué pendant plus de 2 ans avec sur mon yop, et bien sûr sur un yop, la portée, on s'en fout un peu. Mais je me suis dit, allez, on va la repasser un jour, et là, le succès crit. À ce moment, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et on rentre maintenant dans le vif du sujet de la vidéo, avec plutôt des FM classiques, on va dire, sur puits PA ou PM. Il y aura aussi un peu de puits PO. Et alors, on attaque avec une amulette de Jin, donc le PA est tombé. À chaque fois, je vais vous mettre la calculatrice, hein, que je vous mettrai comme ça à l'écran. Vous voyez le puits, et ça peut être également intéressant pour ceux qui connaissent pas trop la FM, de voir comment on peut compter un puits, et comme ça, ils pourront suivre en même temps, et éventuellement, ça pourra être un petit peu didacticiel. Alors, bah, l'amulette Jin, alors je crois qu'on va faire un jet sympathique, donc je commente après coup la vidéo, hein, sauf à un moment où je commente en live, mais je le préciserai. Alors, on a bon, la vitalité qui est quasiment parfaite, la force, l'intel qui sont très propres également. Là, il manque quelques petits dommages que je viens rajouter. Ça passe plutôt bien. Là, ça se passe vraiment très très bien. Et voilà, on vient chercher. Donc là, on a un G presque parfait, avec en plus les 40 de sagesse qui font très plaisir. Et il me reste 33 depuis, donc de quoi tenter 5 runes répertaires. Cette amulette, je l'avais faite pour mon panda à l'époque. Mon panda que j'avais fait un petit peu en Coliseum, et là on voit que je me suis chié dans le comptage de puits apparemment, puisqu'il y a un de sagesse qui saute à la fin. Bon bah c'est dommage, mais ah bah oui, effectivement, je vois que j'en ai tenté 6. Ah oui, c'est normal du coup. Ouais, j'en ai mis une de trop, bon c'est pas grave. Le PA passe quand même, et ça reste un jet relativement propre. De toute façon, c'est que du 1%, donc j'ai pas trop les boules, sinon j'aurais été vraiment deg. Bon, on enchaîne avec un bouclier cubiste. Bouclier cubiste que je fais pour un client qui voulait juste un jet parfait, et quand je lui ai dit qu'il restait du puits, je crois qu'il a pas trop compris ce que je voulais dire, et je lui ai dit que je pouvais lui mettre de la vita en plus. Et du coup, on se retrouve avec un jet parfait, over 45, enfin exo 45 vita, il était super content. Et il m'a filé un bon pourboire d'ailleurs, de quelques millions, j'étais super content également. On est parti maintenant pour l'EFM d'une cape de l'œil attentif. Donc voilà, c'est un des derniers items qui sont sortis avec la dernière mise à jour. Et c'est un client qui m'a demandé de lui en faire une avec un jet propre. Et je lui ai répondu que pour faire ce genre d'item, si on est un petit peu exigeant sur le G, il faut péter un PA, parce que sinon c'est impossible à faire, il n'y a pas de puits, que ce soit PM, PO, PA ou même invocation. Donc il a accepté, et il a un gros coup de bol, parce que comme vous pouvez le voir, le PA est passé en 9 runes. Donc on a spam les runes PA et les orbes. Donc on se retrouve avec un G en plus qui est plutôt propre, et on va essayer d'avoir un truc correct en cassant le PA. On est parti, je vais faire ça en live avec vous, et j'espère vraiment que ça va bien se passer. Et il m'a dit que si j'avais l'occasion, je pouvais essayer de mettre des runes res au-dessus. Alors, le critique qui passe et qui nous donne 6 depuis. Donc j'ai 6, hein, parce que moins 10, plus 9, plus 7, ça fait 16, enfin ça fait 6. Donc on est parti là-dessus, on va mettre les esquives PA, hop. Donc là, normalement, je compte pas le plus à chaque rune, mais sur ce genre de situation, on va le faire... On va le faire à chaque fois. Donc là, j'ai un moins 2. Les dommages hauts, je vais les maintenir à 17. D'accord, donc là, je gagne 2. Et je perds 5. Donc, moins 3. Hop. Là, il me reste 1 depuis. On va remettre encore une rune. Ok. Donc là, j'ai eu... j'ai plus 95 depuis. Hop. Donc là, j'ai 96. Alors, on est parti. 96 depuis, je vais commencer par la chance, il faut que ça passe à 93, voilà. Donc là j'ai moins 20, est-ce qu'on a un truc qui coûte 3? On a la prospection qui coûte 3, mais c'est pas forcément ce qui m'arrange. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une de mes runes à moi, parce que j'en ai une qui pèse 3 là-dedans. Ça c'est du pas-âge ça. Vérifier, ouais, pas âge. Hop, on va lui mettre une pas âge. Bon, allez, j'offre la rune. Pour redescendre la chance à 90, voilà. Donc là, on a 76 depuis. On a un truc vraiment sympathique. Ensuite, la fuite. Hop, je vais lui faire un truc vraiment propre. Hein. Oh, quoique, je vais peut-être commencer par les dommages hauts parce que c'est des grosses runes et ça pourrait casser le G si ça passe pas. Ok, le crit qui fait plaisir. Alors là, elle a pas de haut. C'est le moment le plus tendu du FM. Ça passe. Génial. Et on perd 3 d'agi, donc moins 12 de puits. Il nous reste 64. On va ensuite s'occuper des raises. Une qui crit, une qui passe pas. Donc là, on est à 12. 18, 24, 30, 36. Et bah dis donc, on a perdu beaucoup de puits sur les raises.
Ensuite, je vais lui mettre. Il me reste 28 de puits là. C'est évident ça. 28, une esquive PA moins 7. Je pense que je vais tenter de ravi. Bon, là, du coup, on pourra. Enfin, si je mets la fuite, ça, on risque d'être un petit peu léger. J'ai pas envie de la laisser en vitalité comme ça. Bah, je vais lui demander quand même. Tu préfères fuite ou over vita? Sachant que si je tente de remonter la fuite et que ça se passe pas bien, c'est possible que j'ai qu'une tenta à vie. Ce serait vraiment chouette d'arriver à caler un over vita. Ok, donc il préfère l'over vita. On est parti donc là-dessus. Allez, une. Ouh, ça passe. Et la deuxième, qui passe pas. Voilà. Bon, on a un G qui est. Bon, c'est dommage pour la fuite et pour la sagesse, mais dans l'ensemble, c'est quand même sympathique hein, sur ce genre d'item. En plus, comme il vient juste de sortir, à mon avis, soit il va s'en sortir et il a un truc pas mal du tout. Enfin, je veux dire, soit il va l'utiliser, soit il va la vendre. Et il peut en tirer un très bon prix. Il a eu beaucoup de chance, hein. Il a eu beaucoup de chance sur le PA. Ouais, Uberine, la 9e qui est SC. C'est vraiment chouette. Bon, bah voilà, pour ce petit FM sur brisage PA, que je suis ravi d'avoir pu vous filmer. Ensuite, encore une tenta. Ah, je peux vous dire que j'avais des boules. Hein. En plus, ça coûte la blinde, les runes d'Operdi. J'ai dû en acheter un sacré paquet. Alors là, j'ai la calculatrice qui masque mes camas, donc je sais pas vraiment ce que j'avais comme, comme moyen à l'époque. Bon, ça change pas grand-chose, hein, de toute façon, ça rajoute pas d'intérêt à la vidéo ou non. Ok, toujours 4 tentatives, et ok, ça passe là-dessus. Voilà un cours qui serait vraiment extrêmement structuré, pas un tutoriel vite fait, mais vraiment un truc ultra propre, ultra structuré, où vraiment vous regardez la vidéo qui durera peut-être, je sais pas, 1 heure, mais à la fin vous pouvez directement partir faire de la FM et vous aurez toutes les armes en main, quoi, pour comprendre comment ça marche. Dites-moi si ça vous plairait que je fasse ce genre de choses, il faudra que je trouve le temps parce que ça va prendre beaucoup de temps, hein. Je vais pas bâcler ça, mais ça peut être intéressant. Alors là, vous voyez que je vends des viandes, alors ça c'est des viandes qui me restent de mes farms de dimension, hein. Mais je me suis fait, en plus ce mois-ci c'était assez impressionnant, j'ai dû me faire quelque chose comme 50 millions, 50 millions de kamas juste avec des viandes, donc bah, c'est suite à la fusion des serveurs aussi, peut-être qu'il y a beaucoup plus de gens qui en achètent, et en plus de ça il y a eu un almanax qui faisait que les viandes, on craftait plus d'objets en fait, il y avait quelque chose comme 25% d'items créés en plus pour le métier chasseur, enfin bref, il y a eu des petits trucs comme ça qui ont fait que j'ai vendu beaucoup beaucoup de viandes. Donc là vous voyez, ça me fait 1 million de qui rentre, puis des fois j'ai 4 millions, puis des fois je reçois un MP, quelqu'un qui veut me prendre des petits, on va dire des packs chasseurs partiels, parce que je vends pas de packs chasseurs entiers. Pour ceux qui savent pas, un pack chasseur c'est ce qui permet de monter 1 à 200 directement. Hein. Alors là, on a quand même le PA qui passe, donc voilà, on est sur un G presque parfait, avec 2%, donc bon, c'est tout à fait acceptable. Je crois que je l'ai laissé comme ça, mais je tenterai peut-être un peu au-dessus, puis j'essaierai de rechoper 3 ou 4% quand j'aurai le temps. Bon, là, du coup, on est sur un Talisman Igance. Alors ça, c'était un item à la base que je voulais mettre dans le stuff de mon ennemi, qui est actuellement Feu R, mais je crois pas qu'il soit dans le stuff définitif, finalement, enfin bref, c'est en réflexion un petit peu. Et là, quand j'ai fait cet item, j'en pouvais plus, parce qu'en fait, quasiment tout ce que vous voyez là, je les ai fait un petit peu à la suite, enfin, tous les derniers, et j'en avais un peu ras-le-bol, et je me suis dit, bon, bah, la sagesse, on va la laisser à 46, alors que normalement, s'il manque plus de 2 de sagesse, hein, je touche pas à un item. Mais comme c'était pour un stuff provisoire et pour tester un mode, je me suis dit, on va pas non plus se casser la tête, donc j'ai laissé la sagesse à 46. Bon, il y en a peut-être qui vont dire que je suis pas sérieux, mais bon, voilà, j'avais pas envie d'y passer la nuit non plus. Et voilà, le PA qui passe, donc là on est sur un truc quand même extrêmement propre, hein, vous voyez, on a la double 20 de dommages, on a tout qui est quasiment parfait, et 2% PA. Et finalement, c'est passé, et je me suis fait sur le record, et il manque de la sagesse et de la fuite, j'en pouvais plus, et c'est tout le temps sur un jet dégueulasse que ça passe. Donc là, vous voyez, je suis tellement deck, j'ai que 15 fuites, j'ai que 27 de sagesse. Alors que j'avais des tentatives magnifiques. Et donc là, ça a été un peu le bordel, et je me retrouve avec un item où il n'y a même pas le PA et pas le PM. Donc bon, c'est pas forcément conseillé de faire ça, mais des fois, voilà, quand j'ai envie de changer un peu, c'est quelque chose qui m'arrive de faire dans mes FM pour les items à double puits. Tout simplement parce que quand il n'y a ni le PA ni le PM, les runes passent beaucoup mieux, donc on peut potentiellement avoir des gros jets qui sortent. En revanche, bah, pour terminer, il faut sortir le double succès crit. Mais j'ai déjà eu beaucoup de tentatives à 4% comme ça sur du jet parfait. Donc technique à méditer, ça peut être intéressant. Bon, il faut avoir aussi de la chance un petit peu sur comment ça tombe.
Et du coup, bah là, vous voyez qu'il me reste 71 depuis et j'avais déjà un truc parfait, quoi. Et on se retrouve à 3%, donc malheureusement pas de 4%, mais on a quand même un jet très propre. Et alors, l'EPA. Je commence par l'EPM. Bon, ça change pas grand-chose, hein, concrètement. L'EPM qui crit. Et l'EPA. Donc, il faut vraiment avoir le double crit. Et l'EPA qui crit aussi, donc on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement propre. Hein. 60 chances, 40 en sagesse, et il manque presque rien sur les autres trucs. On est parti pour une synthassé. Alors là, l'EPA vient de tomber sur une rune critique. On a à nouveau 20 de puits, hein, 2 fois 10 qui partent pour le critique. Et voilà, on enchaîne directement, on va remonter un petit peu tout le reste. Ce FM, je le faisais un petit peu en speed, tout simplement parce que j'avais un client qui m'avait demandé pour un FM, et je me suis dit, bon, le temps qu'il achète ses runes, on va faire une petite tenta. C'était un jet dégueulasse que j'avais pris pour un truc PVM. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de faire un truc propre. Ça pourrait être sympa. Et voilà, donc juste une petite tentative que j'ai faite tranquillement pour passer le temps. Donc les esquives PM qui passent. Ah, on a un petit message sympathique d'un abonné apparemment. Alors voilà, donc là ça passe plutôt bien. On a un truc assez propre plutôt rapidement. On remonte les repous à 20 bien sûr. Alors ensuite il reste la pas de cri, hein, qui est toujours un peu compliqué à passer. Et là, gros coup de chance, ça passe en crit. Ce qui fait qu'il me reste 19, donc je peux tenter 3 runes. Et on a un petit 2%, et vous le voyez, ça passe. Donc juste en une tenta comme ça, très rapidement, je me retrouve avec un jet vraiment sympathique. Alors peut-être que je tenterai un PO si j'arrive pas à le vendre comme ça, et puis sinon, bah... Voilà, donc si je le vends, tant mieux, quoi. Le PA vient de tomber sur une rune d'esquive PA, et on avait un depuis avant. Donc on est à 1 plus 93, mais malheureusement, là on est à 24 de cri, et ça va être un petit peu compliqué de repasser à 25. Donc on va partir sur du 24 de cri malheureusement, je vais pas tellement pouvoir améliorer ça. Bon, cela dit, le G est quand même assez propre hein, par le reste. La puissance, ce serait bien que ça passe assez vite. Ok, chouette. Et maintenant la vita, et on va pouvoir partir directement en over-res. Parfait. On a 50, alors on est parti déjà sur une rune comme ça. Et 50, comment on va exploiter ce truc? On va y aller sur moins 2. Ok, moins 2, il nous reste donc 48. Ce qui nous fait 16 tentas sur les runes par écrit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... What? What? Alors c'est tout le temps comme ça que ça se passe, mais c'est incroyable ça. Pourquoi ça se passe comme ça là? Pourquoi je n'avais pas 16? J'ai dû mal compter mon puits, bon bah il va falloir repasser ça en crit. Et malheureusement on perd des res crit. Oh je suis déçu, je suis extrêmement déçu, qu'est-ce que j'ai foutu avec le puits? Le PA vient de tomber, on a un truc plutôt sympa là, parce qu'on a 96 de puits et un G qui est globalement correct. Les 77 d'Intel m'embêtent un petit peu, mais je pense que ce serait trop coûteux de remonter plus haut, donc je vais laisser comme ça en espérant avoir plus de chances d'avoir des grosses résistances qui passent. Ok, la vitalité qui a été un petit peu capricieuse là, mais bon, ça ira. On va remonter, bah voilà, il reste vraiment pas grand chose. Hein. Un petit coup de tacle, ça nous fait du moins 4, et ça crit, c'est cool. Hop. Allez, une petite résistance R qui crit également, et plus que le soin... Le soin qui m'enlève 20 depuis, mais bon, ça va, ça aurait pu être pire. Ce qui me laisse 8 tentatives pour des résistances. Alors, je pourrais tenter... Ouais, je peux tenter une petite painée, même si, bon, à 77, c'est extrêmement peu probable que ça passe. Mais bon, voilà, on va... pour pas gaspiller de puits, c'est toujours bien de le faire. Donc, mes 8 tentatives de résistance. Allez. Sérieusement, c'est nul, ça. Bon, 1% res, c'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top, et on a le PA qui passe là-dessus. Est-ce que je m'arrête là? Ou est-ce que je tente un PO ou une invoque? Enfin, PO, je peux pas une invoque. Je pourrais tenter une invocation. Je le ferai pas dans cette vidéo, je le ferai peut-être dans une autre. Donc on va s'arrêter là-dessus pour cet item. Voilà, le G ne me convient pas vraiment, mais j'en ai un peu marre de l'FM, donc. Voilà, si on veut avoir un meilleur G, ce sera pour une autre vidéo. Ok, je viens d'avoir un puits PO juste après avoir terminé d'exploiter un autre puits PO, comme vous le voyez dans le chat là. Alors là, dans ce cas-là, il y a vraiment moyen d'avoir un truc extrêmement intéressant. Alors j'avais déjà un d'avant, je récupère 51, plus 2, moins 6, ce qui me fait donc 48 de puits.
Là, pour le coup, je suis assez optimiste. Il y a peut-être moyen d'avoir un truc vraiment propre. La Vita, je touche pas. L'Intel, c'est un peu trop bas à mon goût, mais je vais la laisser comme ça parce que ça va trop me coûter si je veux la remonter. Les réécrits, pareil, c'est très risqué d'essayer de repasser de 24 à 25 avec des runes réécrits, donc on va laisser comme ça. Donc un jet qui sera pas ultra propre, mais qui va potentiellement laisser du puits pour tenter beaucoup de résistance. Donc on peut s'y retrouver au final. On peut s'y retrouver, là on se prend un moins 6, hop, plus que le retrait PA, et on peut partir sur des résistances, donc je vais mettre des résistances feu. Moins 14, ce qui nous laisse 23, donc ouais, j'aurais bien aimé avoir 24, tant pis. On va pouvoir en tenter 3, ça va me laisser 5 de puits en rab, donc je vais faire 2 tentatives là-dessus. Ok, c'est pas grave, donc on a toujours 3 runes résistance feu, et ça ne passe pas malheureusement. Ça ne passe pas, et le PO repasse, donc bon, on a un G qui est propre, mais pas d'exorèse malheureusement. Bon, je fais ça pour un ami donc, qui joue en PVM, donc à mon avis, ça lui conviendra. C'est quand même très propre, hein. J'ai regardé en HDV, il n'y a aucun G qui est propre comme ça, mais bon, moi j'aurais bien voulu des résistances avec. Tant pis, on va se contenter de ça pour le moment, mais je pense que je referai des sessions arc corrompu parce que c'est un item que je vais beaucoup jouer hein, sur mon ami feu. Il va me falloir des gros G dessus. On commence avec un arc corrompu qui est celui avec lequel j'ai joué avec mon ami pendant une petite période. Qui a un G sympa avec 1% rester, sauf que comme vous le voyez, il manque 1% de critique. Alors bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le repasser en crit. Allez, on y croit. Oh! Oh! C'est beau, c'est beau. Bon bah voilà, rien de plus à dire là-dessus. Bah, ça nous fait du coup un G vraiment sympa. Waouh, inespéré. Vraiment inespéré là-dessus, chouette! On est parti pour une petite tentative complètement improvisée sur Ananautique. Alors j'étais parti dans l'optique de faire un over-réécrit PM, mais là je viens d'avoir une belle tentative sur le PO qui vient de tomber, et je l'ai repassé direct hein, parce que je pensais vraiment pas faire un truc spécialement propre, j'étais un petit peu à l'arrache, mais là j'ai un truc correct. Alors j'ai pas mis la calculatrice, j'ai pas grand chose, mais au niveau du puits là on a 39, alors je vais tenter 39 runes réécrit, et si on a un bel over-réécrit, bah, je tenterai pas de PM, parce que si on a plus de 11 d'over-réécrit, on pourra pas passer de PM. Et bah ben voilà, en espérant avoir un truc correct. On est parti, c'est pour a priori pour un perso qui sera full intelligence, donc les deux O et les deux R, je les néglige. On est parti. Hop. Alors je ferai stop si je vois que j'arrive vers des valeurs positives. Et il faut que je compte, alors là j'ai eu un succès critique pour l'instant. Donc je peux encore en tenter une, et a priori il n'y en a qu'un seul. Hein. Hop, donc je peux en remettre une. Hop, ça passe pas. Alors là, je pourrais tenter un PM là-dessus. Je pourrais tenter un PM, et si le PM passe, on a un truc qui est juste monstrueux. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Non, on va en rester là. Je tenterai le PM si j'en ai un autre qui est au moins assez propre. Voilà, c'est tout pour cet petit item. On a 95 de puits et un G vraiment sympathique. Là, il y a juste la vitalité et les dommages à remonter. On est parti. Alors, moins 6, moins 26. Hop. Les dommages et on va pouvoir tenter un bel over. Enfin, un exo, pardon. Hop, 5. Bah, que 5, parfait. 64. Je peux tenter. Je peux tenter un succès critique sur une raie simple. Ok, ça passe pas, on est donc à 62, et là on peut plus rien tenter. Donc on est parti pour 10. 10 réperters. Bah, ça me ferait plaisir que ça passe là-dessus. Hein. Allez, au moins une troisième éventuellement. Vous voyez que les runes passent quand même. Bon, vous voyez pas, enfin il n'y a pas vraiment à voir, mais les runes passent mieux hein, quand il n'y a ni le PA ni le PM. J'ai eu plusieurs tentatives à 4% sur des trucs que j'ai pas filmés et j'espère vraiment en passer une. Ok, le PA passe, est-ce que le PM passe? Si le PM passe, on a déjà un truc sympathique et bah voilà, c'est quand même. Ça a été assez efficace, assez rapide. On se retrouve sur un 3% sur G, voilà, donc c'est presque parfait. La vitalité est très propre, bon bah, un tel chance, j'aurais bien aimé avoir 60 ou 59 sur les deux, c'est quand même correct. La sagesse m'embête un petit peu à 38, j'aurais préféré 39 ou 40, mais globalement, on va pas se plaindre, c'est un magnifique item. Je crois que j'en ai déjà un en fait de 3% terre. Alors est-ce que je tente le PO ou est-ce que je continue? Pour l'instant, je vais laisser comme ça, puis si je tente le PO, je le filmerai. Voilà, c'est tout pour ces bots. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai les deux masques qui sont à 15, et ok, le PA tombe. Donc là, on est bien d'accord que j'avais deux des deux lignes précédentes et je récupère 93, ce qui me fait donc 95 de puits.
95 de puits, et on aura la vitalité à 140, 143. J'ai pas envie de partir en overvita et de la rebaisser ensuite, ça risquerait de manger beaucoup trop de puits. On va y aller comme ça. Allez, la vie, moins 20. Je vais mettre les esquives à 10 et on terminera par les raises. Bon, c'est pas mal ça, les doubles crits là. Ok, moins 14. Ce qui nous fait donc plus que les résistances haut à remonter. Moins 18. Et bah là, on a vraiment un truc potentiellement sympathique là. Hein. Puisque j'ai 7 tentatives sur les repères R. Sur un G qui est vraiment pas mal. Et allez, on y croit. Ne serait-ce qu'une, ça me ferait vraiment plaisir. Et si je pouvais en avoir deux, alors là, ce serait incroyable. Bon, bah 1% là-dessus, sur ce G, je suis satisfait. J'aurais vraiment aimé avoir 2%. Si j'ai eu plus de Kama à investir là-dedans, bah j'entendrai d'autres. Pouf, j'ai le, j'ai le cœur qui palpite. Concrètement, je vais peut-être voir si je vous fais un autre exo sur brisage avec les runes et les orbes qui me restent. On va voir. Bon, je suis quand même content, ça s'est plutôt bien passé. 143 en vie, c'est un peu léger, j'aurais aimé avoir au moins 145, mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, et de toute façon, voilà, sur, comme c'est 1%, ça m'ira pour l'instant. Mais je serai amené à le refaire en étant plus exigeant sur le G. Ça dépendra encore une fois de mes moyens. Allez, c'est tout pour ce bouclier qui m'aura apporté beaucoup d'émotions. Le PA vient de tomber, mais sur une rune Rasa, donc il m'a déjà mangé 30 depuis. J'espère qu'on aura tout de même assez pour aller chercher un G sympa. Je vais donc pas remonter l'intel plus que ça, et je vais laisser la vitalité à 343. Voilà, je peux pas vraiment faire mieux au vu du puits qu'il me reste, je veux avoir quelques tentatives sur les résistances. Hop, le tacle qui passe pas très bien, on est sur du moins 8. Allez, moins 13, hop. Ouais, j'y crois pas trop, mais bon, on va quand même tenter, hein, histoire de tout exploiter. Ok, moins 6. Moins 13 à nouveau, et le soin qui m'enlève à nouveau 22 puits, et oui c'est très mauvais tout ça, et malheureusement on n'aura qu'une seule tentative pour les raises. Ah, et bah on s'en sort quand même avec un 2%, grâce au crit, improbable. Et le PA qui passe là-dessus, donc là, bon bah, on a qu'un 2%, on est sur un G qui est bof au niveau de la vitalité de l'intel. Et bah, je pensais vraiment pas que ce serait là-dessus que j'allais aboutir sur un 2% avec un G quand même acceptable. Le PA vient de tomber, et on a 99 de puits avec un G qui est très propre au niveau de la sagesse. L'intelligence, malheureusement, 77, je vais la laisser comme ça. Et on va partir sur un petit overvita, histoire d'aller chercher un gros G en vitalité, qu'on va rebaisser juste après. Moins 20, bon on perd beaucoup de puits sur la vita, mais c'est correct. Les soins sont déjà maxés, là on a vraiment une belle tentative et j'espère que ça va aboutir. Hop, on est parti, le tacle qui crit, c'est parfait. Le dos feu qui crit, et bah décidément c'est joli tout ça. On a moins 6 là-dessus. Et ça nous laisse 70 de puits. 70 de puits, est-ce que je tenterai la painée? C'est un peu ambitieux. C'est un peu ambitieux, mais ça peut passer avec vraiment un gros coup de bol. Bon, de 77 à 80, la painée, c'est très compliqué. Je vais quand même tenter. Ok, bon, je m'y attendais, mais c'est pas grave. Ça me laisse donc 11 tentatives de résistance. Là, vraiment, on peut choper quelque chose de magnifique. Allez, j'y crois. Allez, déjà une qui passe, deux. Allez, une troisième, ce serait vraiment bien. Tant pis, bon, bah deux. Si on a deux là-dessus, je pense que j'arrêterai le FM ici. Et c'est effectivement ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie d'y passer trop de temps. Donc on reviendra sur cet item pour faire un plus gros G, peut-être que je retenterai une invocation là-dessus, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Décidément, il a pas l'air de vouloir trop bouger ce G, hein. Oh! Oh! Oh là là. Oh là là, Gryphax. Oh mec, on a un truc monstrueux là. Oh punaise, vas-y. Je vais monter l'esquive à 9, ensuite la raise à 9, ensuite l'esquive à 10 et ensuite la raise à 10. Ça te va? Alors. Oh le crit. Ok, moins 7. Moins 6. Oh le G qu'on va faire. Moi je crois au 4%. oh mec. C'est un délire. 74. Et. Mec, on a 68 depuis. On a plus que ça passe. On a 68 depuis, mec. Est-ce qu'on recompterait pas le puits par hasard? Histoire d'être sûr qu'il n'y a pas eu de couille. Pourquoi j'arrive pas à... Si tu me dis ça,
Y'a aucun souci, on retente, y a... Faut ah, attends, j'arrive pas à... J'arrive pas à changer les raisins. Ah, ça c'est un petit bug, ça m'arrive aussi. Tu veux relancer? C'est... Bon, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. C'est avec client que ça fait ça? Je sais pas du tout, mais je sais que moi aussi ça m'arrive. Des fois, ça veut pas... En gros, si maintenant, imaginons que t'as l'esquive PM, oh, ça passe pas. Ça te dit comme quoi, échec ou un truc non, comme ça. Passe pas. Non, c'est vraiment le glisser-déposer de la rune, c'est bon, j'ai réussi. Le glisser-déposer de la rune ne marche pas. Ah, mais je suis con, mec, je prends les miennes, en fait. Pardon, je me suis fait un trip tout seul. Ok. Bon, alors, je vais recompter, ça, bon, il y a 5 lignes. Alors, le PA qui tombe sur la raison, on a 94, on va refaire, j'étais à 68, hein. 94, l'esquive qui a enlevé 7, la raise moins 6, l'esquive moins 7, et la raise moins 6, et on est à 68, je confirme. Bon, allez, on est parti, on se tenta. On se tenta, mec, t'imagines? 4%. Attends. Je vais y mettre quand même signature. Ah, je peux les mettre une par une, tiens. Allez, on y croit, on est parti. Vas-y. Ok. Ah! On va y aller tranquillement comme ça. Allez, quoi? J'y crois. Allez! 1. Bon, c'est déjà ça. Allez, je fais fusionner tout pour les 7 dernières et s'il y a un deuxième qui passe. C'est un délire. On y croit. Allez, une petite ligne verte là. Oh non. Oh, ok. Au moins t'as deux. Oh la vache. Bon, je te le prends, hein. Je le réserve. Ceci, je comptais bien te le prendre. Oh, le truc monstrueux. 2. Allez, cette fois-ci, je me concentre bien et je compte bien le puits parce que... Ah, ça fait du bien quand ça passe, putain. Ouais. Oh, ça fait plaisir. Par contre, ouais, là, ça fait plaisir. Par contre, ouais. Tu sais que là, qu'on pourra pas atteindre le perf en puissance, tu peux rajouter des plus 1, je sais que ça passe. Je sais pas si tu l'as déjà essayé aussi. Non, mais là, le mieux... Alors, en fait, on a deux options. Déjà, je pense que... Moi, je vais déjà mettre la puissance à 28. T'es d'accord, je mets la puissance à 28? Non, justement, essaie de la monter là à 27 pour mettre une pas. Ça marche plus facilement. Ouais, mais moi, je pense que le mieux qu'on a à faire, c'est d'aller à 31 en exo, enfin en over, et après d'enlever 1. Ça sera... Je pense que ça passera beaucoup mieux, moi, je fais tout le temps comme ça. Ouais, et t'arrives au perf à chaque fois aussi? Bah ouais, du coup on passe à 30 avec plus 2 pas, regarde. Hop, moins 6. Tu veux vraiment aller chercher le perf? Ouais, bah ouais. Voilà, tu vois, 31. Du coup, moins 6 à nouveau. Et en fait, bah parce qu'au-dessus de 20, la plus 1, elle a très peu de chances de passer, alors que là, ça passe très bien. Ah, d'accord. Et tu vois, en faisant comme ça, le G, enfin, moi je fais tous mes G parfaits comme ça, quoi. Et là, je vais mettre une ruine. Hop, voilà, moins impuissance. Ah, bien joué, quand même. Hey, tu m'as fait un truc, là, par contre. Je t'apprends des choses, en FM, dis donc. Non, ouais, hey, en vrai, j'ai de la bouteille, hein, je sais faire beaucoup de choses. Mais là, sur le comptage du puits d'avant, j'ai fait un massacre. J'ai fait un réel massacre. Alors, moins 4. Eh, hey, mec, on a un truc encore plus ouf qu'hier. Eh ben, ça compense, parce que là, on a 82 de puits sur un G parfait. Et toi. On a 13 Attends, tentatives. Sérieux? 13 tentatives, t'imagines, mec? Par contre, justement... Qu'est-ce qui serait le plus intéressant? R. R, clairement R. R. De très loin, pour le PVP. Ouais, et en vrai, ça compense, hein. Ça compense par rapport à l'autre. Si je sors à 4%. Attends, vas-y, je vais te remettre des runes de signature. J'ai vu qu'il y avait un... Quand je suis comme ça en atelier, je peux pas les mettre, tu vois, toutes d'un coup, c'est un peu gênant. Si je fais comme ça non plus, ouais. Bon, je vais les mettre une par une, c'est pas grave. La première, elle passe. Ah, je peux en mettre 2, tiens. 2, 3... Oh, mec... Si on n'arrive pas à en passer, en vrai, je deviens fou. Ah, ok. Merci. On fait comme, on fait comme l'autre, hein, je mets en fusionner tout. Vas-y. Est-ce que tu crois au 3%? La vérité, je croise les doigts. Moi, j'y crois au 3%. Allez. Moi, je te dis que ça va, Froc. Allez, le petit 1%, là. Allez. Allez, le troisième. 3? Le troisième. Ah, putain. C'est dommage. On ouais, part pas soin. T'es d'accord? Ouais, au sort. Parce que si le sort saute... Ok, c'est pas mal. Ça aurait été bien que ça passe en succès neutre, mais c'est quand même pas mal. On va pas massacrer le G au moins. Dommage sort encore? Ouais. Oh! Waouh. Oh, la passe, c'est une passe en crit. On va sortir un G énorme, là, je pense. J'ai 75, ok, moins 30. Putain, on a que deux, on a plus qu'une tente. Moins 60 depuis, putain, pour le soin, ça fait... Ça pique.
Bah du coup on a 15 de pion, on peut faire deux tentas sur une terre simple. Ou alors on peut tenter genre une résistance mêlée ou distance, ou un truc comme ça peut être marrant. Qu'est-ce que tu veux? Plutôt les résistères. Ouais, deux resters. Deux resters. Vas-y, on va mettre les runes de signature au cas où. Il passe. Allez, dernière chance. Ah, dommage. Dommage. En une. Okay. Tu vas en tenter une, il nous reste 3 de plus là. Non, merde, j'ai pas une rune plus de 15 vita. T'en as une sur toi? Ouais, j'en ai, ouais. Tu veux? Bah ouais, s'il te plaît. Hop, c'est bien ça. Hein. Je vérifie, pas vite, c'est bien okay. Ça. Mets ta rune signature. Hop, allez, on y croit, ce serait bien. Oh, c'est dommage. Dommage. Bon, on porte nos couilles ou pas? Je sais pas si ça bouge cher, j'ai perf comme ça. J'ai perf tout seul. Bah, en vrai, c'est vraiment compliqué à choper hein, sur ce genre d'item. Surtout avec les 25 de soins. Moi, je pense que juste en j'ai perf, là, tu pourras déjà très bien le vendre. Je vais aller vérifier ça. C'est comme tu veux. Toi qui vois. On peut tenter le succès crit sur une résistance. Ah non, on tente ça pour rien. Je tente une rester. Une rester, ouais. Allez, on va y croire. Dommage. Oh, attends, parce que du coup, là, j'ai encore une tenta. Allez, zou. Oh, putain, yes, j'en ai encore une, du coup. Dommage. Si le dommage au sort repasse, là, on a un truc génial. Allez, on y croit. Passer. Putain, dommage. Puis là, pour repasser le soin, ça va être compliqué. Tu veux une rune PA? Tu veux que je mette une rune PA? Ouais. Tu veux pas que j'essaie de remonter le soin avant, peut-être? Tu pourras pas remonter le soin. Mais... Bon, en crit, hein. En crit, ça peut le faire. Allez, tu te rune PA, on va dire que ça... Oh, oh. What the fuck, mec? What the fuck? Magnifique. Oh le délire, le délire. Mais putain, c'est pas vrai. Et je l'ai en vidéo, mec. Hein. Oh le truc de malade. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Putain, hey, on porte nos couilles ou pas? Moi je dis, on remet le soin. On remet le soin. Heureusement, tu l'as pas remis. Hein. Le soin, il passera pas. Bah, non, je sais bien qu'il passera pas. Putain. Oh la vache. Oh la vache! Oh, je vais faire un arrêt cardiaque. Mais à quel moment on passe un PA comme ça? Putain, alors, l'autre, putain, le pauvre, on lui met 100 runes sur son putain de bouclier, ça passe pas, mais alors que toi, une rune, c'est bon, il y a le PA, quoi. Oh la vache! Non! C'est magnifique. Bon, bah putain, quand tu veux, je te passe des PA sur tes boucliers, mec. Hein. Moi, c'est tout bénef, hein. Ah, pas mal. Enfin... Bon, ça aurait pu être bien pire. Hein. Ouais, disons que là, ça coûte quand même pas mal. Hein. Moi, je compte 95 depuis. J'ai un depuis qui se balade depuis le tout début du truc. Mais normalement, je me suis pas chié. Hein, donc, c'est à quel moment que je l'avais récup? Je vais quand même vérifier. Vas-y. Mais non, je considère que c'est bon. Okay. Je devrais pas me planter. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est tenter de remonter à 29 puissance avec une rapuie. Direct là-bas. Bah ouais, sauf si tu veux vraiment VDL le 30, toi tu veux vraiment du perf. Ouais, c'est de toute façon c'est ce qui est recherché, hein. C'est le but. Hein. Ok, d'accord. Bon bah alors dans ce cas on va remonter la fuite déjà. Ouais, vas-y. Parce que c'est celle qui est la plus basse. Oh alors non, je vais déjà remettre 3 de puissance. Hop. Parfait, moi 6. Ensuite la fuite. Ouais, encore un. Hop, moins 12. Ce qui nous fait 77. Ok, la critique, on va essayer de leur passer. Et ensuite, on va partir sur le dommage distance, parce que sinon, il... Oh, ça, c'est joli, ça, c'est magnifique. Ça, c'est chouette. Allez, oh, okay. C'est pas mal. Bon, au moins, ça passe. Ça, on aurait pu avoir un crit, mais ça passe, quoi. 62, il nous reste. Maintenant, je vais partir sur la puissance. Hop, oh, le crit. Oh, c'est beau, ça. Donc là, tu vois, je fais comme ce que je t'ai montré l'autre fois. Hein. Je pars en over. Donc, moins 6, moins 12, voilà. Tu vois, tu gaspilles beaucoup moins de puits en faisant ça. Ouais. Et là, je vais lâcher une rune. Ah, bah encore une fois, c'est galère parce que c'est les miennes. Est-ce que t'aurais pas une petite rune qui pèse 2? Je t'ai donné toutes les runes qu'on a mises. T'as donné tout ce que t'as. Alors, normalement, je devrais pouvoir utiliser les miennes.
Oh, c'est buggé leurs interfaces là, c'est chiant. Bon bah tant pis, on va y aller avec de la rune initiative, j'en mettrai deux. Ouais, ça va le faire. Hop, ok, c'est pas trop mal, c'est nickel, ça s'est bien passé. Hop, je vais... Parce que des fois, quand c'est comme ça peut te faire un moins reliquat et ça te le tape pas dedans, tu vois. Alors que si tu mets pile poil le poids que tu veux dégager, ça passe mieux. Donc, plus 1, ça nous fait 51 de puits. Là, la puissance est géniale. CC, tu veux maintenant? Je sais pas, c'est comme ça. Ouais, allez, vas-y, tu veux. Hop là, magnifique. Moins 9, du coup, parce qu'on a récupéré un puits sur, sur l'initiative. Alors, 1, 2, oh, c'est pas mal. Moins 4. Oh, magnifique. C'est joli ça, c'est bien. Moins 8, hein. Ouais, j'ai remis. T'as eu deux succès. J'ai remis. Moi, je suis à 34. 34 depuis. Donc, si on arrive à avoir un succès crit sur une rune qui fait plus 2, on peut avoir gagné une tentative sur les exorèses. Mm-hmm. Est-ce qu'on tenterait pas ça par hasard? Du coup, tu ferais quoi, là? Bah moi je tenterais bien une petite rune plus 2, ou alors on peut y aller à la ligne, essayer de double crit sur les lignes, on aura moins de chance. Ça serait bien que tu aies des runes qui fassent plus 2 depuis quoi. Ouais, je sais pas. Vas-y, je vais tenter à la ligne. Ok, c'est mort. Du coup, on pourrait encore, mais ce serait vraiment aller chercher, il faudrait 3 succès crit là. Je préfère, on va dire, me contenter de ça, tu vois. Ouais. Donc on va y aller en réperf. Ah, j'ai pas signé, tiens. Bon, au pire, on s'en fout, c'est pas grave. Hop, on est parti. Donc, on en a 5 là. 5 ? Bon, vas-y, un petit 2%. Ça peut faire un 2%. Allez-y. 2, 3, 4 et 5. Dommage. Bon. On a le pourcent. C'est propre, c'est quand même propre. C'est propre. Ça s'est sacrément mieux passé que l'autre fois quand même. Hein. Ouais. Là, on a. Bon, ça, tu le vendras très bien. Surtout avec ce que tu me disais, en partant sur l'overpuissance, c'est pas mal. Oui, bien sûr. on y va ou pas? Non, tu veux pas? Je porte pas mes couilles. D'accord. Je me contente. C'est assez jouissif. Et... Oh, allez, direct. Bon, 53 en force et dommage. Et 34 sagesse, c'est pas une très belle. J'ai une de ces chances, les exos. Moi, c'est un délire. Je crois que sur mes 100 dernières tentatives, j'ai dû passer 6 ou 7 exos. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Alors, ok, là, un crit, là, on perd le puits, on retombe à 0,2 de puits. Et enfin, le PA qui tombe. Ok, donc là, ça s'est plutôt bien passé, hein. On n'a pas un jet aussi beau qu'à la base, mais il peut arriver qu'on massacre un item avant de faire tomber le PA. Là, c'est quand même pas mal. C'est vraiment, vraiment encourageant pour la suite. L'esquive PM qui passe direct. Alors là, il faut vraiment passer les runes rapidement pour avoir beaucoup de tentatives sur les résistances ensuite. Ok, la rune qui enlève 12 de puits pour les résistances. Donc là, à nouveau, on a un truc pas mal du tout. Et là, on se retrouve avec... Alors, je pense que je vais faire le bilan du puits total. Il faudrait que j'appuie sur égal sur la calculatrice. Mais moi, je serais d'avis de partir en overvita. Étant donné que on a 130, on peut partir directement chercher du gros G. Mais je crois que lui, il préfère monter à 145 et partir en pourcent res air. Donc, c'était ce qui était prévu à la base, donc aucun souci. Bon, enfin, les deux se valent à peu près, hein, de toute façon. Et là, vous le voyez, les runes, la rune pavie qui a un mal fou à passer... Je me rends compte en regardant la vidéo que j'ai enlevé 27 de puits alors qu'on avait 3 x 7, 21 de puits qui partaient pour la pavie. Donc grosse connerie de ma part. Il était assez tard quand on a fait le FM et j'étais vraiment fatigué. En fait j'allais aller me coucher et là il m'a MP pour qu'on fasse ça, donc c'était vraiment en fin de journée. Et j'ai fait une sacrée connerie d'inattention et erreur de calcul très bête. Et on perd une tenta résistance dessus, on aurait pu en fait tenter encore une rune, là il nous restait de quoi en passer une de plus. Donc là je suis vraiment dingue, hein. je me rends compte de ça en regardant le record après coup. Bon moi, aucun souci. C'est pour ça que moi j'aime pas trop les FM à la chaîne comme ça, parce qu'on sait pas exactement le puits qu'il y a sur les items. Quand on fait par exemple 100 tentatives exo, d'affilée sur 100 items différents, et bien on peut pas savoir précisément il y a combien de puits sur chaque item. Donc ça peut poser des problèmes dans la suite du FM, là on le voit que c'était un petit peu inattendu. Bon voilà, je lui demande s'il savait combien il avait de puits, et bien non, il ne sait pas me répondre, il ne sait pas me dire combien il en a, donc c'est un peu dommage. Bref, alors moi c'est le premier PA que j'ai pris sur un Dragueuf, c'est la première fois que j'ai FM cet item, alors ça fait longtemps que je joue, et beaucoup ont pensé que j'avais des casques Dragueuf sur mes mods. Mais je suis pas du tout familier de cet item, que j'aime pas vraiment d'ailleurs. Et là je suis étonné de voir la facilité avec laquelle les runes peuvent passer. Franchement ça m'a étonné.
Ça m'a franchement étonné. Donc là, voilà, bah, ça passe bien. Il reste plus qu'un pour cent R à remettre. Et vous voyez que ça passe vraiment. On a eu plein de succès critiques. On perd très peu de puits à remonter les résistances. Sur des leads à 13% qui sont vraiment élevés. Ouais, ça m'a surpris. Donc le casque Dragueuf, beaucoup plus simple à FM que ce que j'imaginais. Donc c'est bien possible que je me lance dans ce genre d'FM. En brisage PA. Donc là, 64, ça me paraît énorme. Mais bon. Donc là, je lui demande s'il a des pavis ou voilà, si une ravie à la fin, ça lui va. Sachant qu'avec 64 de puits, on a deux options pour utiliser tout le puits. C'est soit tenter une rune vie qui pèse 1 pour ensuite avoir 63 qui est divisible par 3, donc répartir en pavis. Soit utiliser 54 de puits avec des pavis et pour avoir à la fin 10 de puits qu'on va tenter en ravie. Donc bah, c'est ce que j'ai choisi de faire. Voilà les 54 qui laissent 18 en table pour des pavis. Et après, il nous restera une ravie, donc la ravie qui est assez osée, qui va manger beaucoup de puits d'un coup, mais si jamais ça passe, ça nous fait directement plus 50 vita, donc sur un item comme ça, c'est franchement énorme. Je me suis dit, bah allez, on va tenter. On va tenter, faut pas avoir peur d'essayer. Donc une première vita qui passe, là les runes de vitalité qui ont quand même un petit peu plus de mal. La deuxième, j'espère voir un succès critique. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Alors encore une troisième qui va, donc la 233 vitalité, on est déjà sur un jet correct. Et la ravie qui ne passe pas malheureusement, et là si c'était passé, on avait 283 Vita qui était déjà un sacré jet hein, pour un casque Dragueuf. Moi j'aimerais bien tenter un PM là-dessus, ça me dirait bien, et si ça passe c'est fou, mais encore une fois je crois qu'il a pas voulu. Alors là vous voyez que je compte vraiment toutes les décimales de puits, donc les petites vitalités qui nous font des fractions, et eh ben il n'y a pas de souci, on y va avec, ça peut permettre de choper une petite tentative de plus sur la vitalité à la fin. Donc là, le PA est tombé assez rapidement, donc vraiment, ça se passe bien. Et cette fois-ci, vous voyez que les runes résistance ont beaucoup plus de mal à passer. Bon, on a tout à 12%, on a déjà perdu pas mal de puits. On est parti pour aller chercher les 13% partout, bien sûr, parce que c'est la base hein, sur du Dragueuf. Alors là, j'ai choisi d'y aller un petit peu plus rapidement et je comptais le puits dans ma tête. Et à la fin, voilà, je mets ce que j'ai perdu d'un coup. Donc moi, 36, là, il me reste 28 de puits. Alors par rapport à l'eau tout à l'heure, on était à 64 pour un truc similaire. Donc tentative beaucoup moins intéressante et qui se passe moins bien. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est toujours ça de prix. Parfois, il reste vraiment beaucoup de puits à la fin et on a un truc de merde. Et des fois, il y a très peu de puits, mais on a beaucoup de chance sur les ruines et on a un truc bien. Ça, je pense que ceux qui font de pas mal de FM le savent. Et bon. Et donc là, voilà, vous voyez, j'ai fait pareil. J'ai utilisé 18 de puits pour des pavis. J'ai gardé 10 pour une ravie à la fin en espérant avoir un truc qui passe. Et si on avait eu une ravie, ça aurait été vraiment chouette. Bon, c'est une méthode assez osée, hein, mais si ça passe, on peut vraiment choper un énorme jet, quoi. Je suis même pas sûr que je réponds à ce genre de message parfois, parce que bon, y en a trop, quoi, au bout d'un moment, on s'en sort plus. Hein. C'est plus une perte de temps qu'autre chose. Surtout que, voilà, j'ai tous les métiers, que ce soit FM ou non d'ailleurs, au niveau 200, donc au bout d'un moment, les MP qu'on peut recevoir, c'est assez conséquent. Bref, le PM vient enfin de tomber, donc là, on a 94 de puits. 84 depuis, hein, pardon, pas 94 parce que c'est un PM et pas un PA. Donc on a récupéré 84 et là vous voyez énorme chance sur les résistances. Enfin, chance, voilà, c'est assez récurrent hein, sur le Dragueuf apparemment. Mais ça passe quand même vraiment bien. Ça passe vraiment bien et il nous reste donc 48 depuis. Donc c'est 16 tentatives pavis. Bah là clairement on est bien parti. Hein. On est bien parti pour avoir quelque chose de sympa. Je suis surpris de voir qu'il y a peu de succès critiques sur les runes, normalement dans ce genre de tenta, enfin quand on met des petites runes comme ça en masse, il y en a quelques-unes qui critent. J'en ai vu peu hein, sur les plusieurs casques Dragueuf qu'on a fait là, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. 253 de Vita, c'est déjà pas mal du tout, et pas de dernière rune qui passe, mais 253 avec GPR pour un puits PM, c'est pas mal du tout. Hein. Et là, vous voyez, sur un puits PA, dans l'hypothèse où le FM avant se serait passé de la même manière, on aurait pu tenter, par exemple, une ravie en plus. Et là, une ravie, si on chope un 303 en vitalité là-dessus, on a un jet monstrueux qui vaut extrêmement cher. Hein. Il me semble qu'un Dragueuf à partir de ouais, 270-280 vita, ça au-dessus de 150 millions. Hein, j'ai déjà vu des trucs se vendre voilà, à des prix comme ça. Franchement, ça peut être intéressant de tryhard ce genre d'item et d'aller chercher des gros jets. Parce que bah, c'est recherché par énormément de personnes, notamment sur des modes agilité qui utilisent beaucoup de casques Dragueuf en ce moment pour l'optimisation. Petite amulette, c'est quoi? Ça doit être Cœur Vaillance, j'ai perf sans donut parce que donut balèque, et là je viens de passer 3 PA sur 5 tenta, donc incroyable, il faut le PA, il faut le PA. Putain, yes! Yes! Nickel ça, nickel. Il est passé? Ouais, il est passé ce con. T'es vraiment le con. Il est passé ce con.
Petite tentative sur 2%, bon c'est pas fou. Et bien sûr c'est sur 2% que ça passe, mais c'est la classique. C'est tellement la classique, putain. Bon allez, go PO. Bon, bah direct après, à nouveau tentative sur 2%. Et ça passe encore sur 2%, mais putain j'en peux plus. J'en peux plus. Est-ce qu'on tenterait pas un 3ème% en crit là? Est-ce qu'on tenterait pas un 3ème%? Ou alors je pars sur un PO. Si j'ai un PO, ça marche aussi. Hein. Magnifique tentative là, donc le PM vient de tomber, on a quelque chose d'extrêmement propre, 59, 59, 40 sur les lignes que vous voyez ici. On va juste mettre là, voilà, une petite ravie qui passe en plus, nickel. Et là, bah, ça va aller très vite à remonter, il y a presque rien qui manque. Et j'ai bon espoir qu'on ait quelque chose d'incroyable. Je crois au 4%, hein. J'en ai pas encore sorti, mais je trouve que les res passent plutôt bien. À mon avis, ouais, c'est pas impossible que j'ai un 4% qui sorte d'ici la fin du FM. On va voir ça. Ok, moins 8 sur le tackle. Ce qui nous laisse 57, donc avec à nouveau 3 de puits en rab. Normalement, je me suis pas trompé quand j'ai compté, donc je vais partir sur une page qui ne passe toujours pas. Bon, je pense que je vais plutôt partir sur une tentative de crit sur une rune qui pèse 3 pour gagner une tentarese. Bref, pour les tentatives suivantes, je veux dire, ça nous laisse 9 tentas pour les res. Allez, ce serait bien qu'il y en ait pas mal qui passent là quand même. Ok, on a eu un crit. On a eu un crit, donc je peux en retenter une. Et malheureusement, on va rester sur du 2%. Dommage, là sur 9 tentas, j'aurais bien aimé avoir au moins 3. C'est pas grave. C'est pas grave. Le PM qui passe. Sauf que 2%, voilà, ça ne me suffit pas. Je me suis vraiment mis dans la tête 3% minimum. On va tenter à nouveau un PO. Ok, le PM vient de tomber sur une rune res neutre. On est à 85 depuis. Et là, on a une tenta vraiment pas mal. La vita est bien. On arrive à 350 tout pile. Et cette fois-ci, on se massacre pas le puits dessus. Il reste pas grand-chose à remonter, là, ça peut aller vite. Dommage. 1, 2, qui crit. Deuxième dommage, qui passe pas trop mal. Moins 10. Le tacle, et on est parti. Et en vrai, s'il y a du karma qui existe, je vais finir avec un 4%, parce que là, j'en peux vraiment plus du FM. Hop, 10 tenta res. Première fois que j'ai 10 tenta. Allez, on y croit. 1%. 2%, allez un troisième ce serait bien, oh, dommage 2%, et là je vais devoir m'arrêter même si ça passe sur le 2%. Ok ça passe, bah, je vais m'arrêter là, j'ai pas les sous pour continuer, j'ai pas envie de me retrouver avec un truc en vrac et un jeu dégueulasse que j'aurai pas le temps de terminer. Du coup suite au prochain épisode, je vais reprendre le FM en retentant un PO sur le 2%, puis en allant chercher le 3% minimum. Ça s'est extrêmement mal passé, je suis déçu, j'ai eu beaucoup beaucoup de belles tentatives à 3% qui ne sont pas passées, dommage. Dommage, bon on va dire que ça compense avec la belle amu que j'ai passée dès le début, mais franchement saoulé quoi. La sagesse. Ah, enfin, on récupère le PA. J'en avais un peu ras le bol, je vous avouerai. Plus 91. Ok. Ce qui nous fait 92,8 depuis. Alors la vitalité, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Ah, il a pas de rune de cri. Une de cri, il faudrait remonter à 12 là, il en a pas, et moi j'en ai même pas sur moi non plus, j'ai pas pris mes runes là je crois, ouais. Dommage, sinon je lui aurais mis une des miennes sans souci, mais là c'est un peu compliqué du coup. Bon de toute façon je vais commencer par remonter la res, je vais mettre au max, hein. Hop, moins 6. Alors ensuite là les dommages qui sont vraiment vraiment bas, c'est dommage, sans mauvais jeu de mots. Hop, ça double crit, c'est pas mal. Et bah dis donc on a beaucoup de critiques là. Bon, je vais lui dire d'aller les chercher parce que ce serait dommage de foirer le FM juste parce qu'il manque des runes. Donc on va attendre 2 minutes, bon ça devrait être assez rapide. Ce que je vais faire c'est que je vais vous couper le record et on se retrouve dès qu'il est là. Voilà, on se retrouve, alors il a acheté j'imagine ses runes. Petite info à ce propos, j'ai un ami qui a été surpris que j'interrompe un FM comme ça alors qu'il me restait du puits. Si vous n'équipez pas l'item, que vous ne l'échangez pas, normalement le puits reste. Et il me semble même qu'il reste si vous déconnectez, mais il ne faut pas l'équiper, pas le mettre dans un échange et pas le mettre en mode marchand. Et pas le transférer de coffre ou truc comme ça, enfin je sais pas, en fait il y a des trucs qui laissent le puits et certaines actions qui l'enlèvent, alors il faudrait avoir plus de précision sur qu'est-ce qui le fait et qu'est-ce qui ne le fait pas, mais en tout cas le fait d'interrompre le FM, d'aller acheter des runes et d'y retourner directement, ça n'enlève pas le puits. Donc là il nous reste toujours 81,8 de puits. Bon ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les deux cris tout de suite étant donné qu'il vient d'aller les chercher, hop voilà, comme ça aura servi à quelque chose, moins 5. Bon, on a un truc à peu près correct, alors je suis très content qu'on ait pas eu de problème avec portée ou invocation. Si le critique passe bien, et c'est le cas, on se met plutôt bien là, franchement. Ça pourrait être bien pire tout ça. Bon, là, à nouveau du critique. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. On a encore beaucoup de puits. Je vais tenter des rats. Je vais tenter rats innés et rats âge, histoire d'aller chercher les 60. Et bon, là, j'ai pas trop de chance. Moins 20, mais si je passe un crit, ne serait-ce qu'un crit, ça aurait été pas mal. Bon, c'est pas grave, moins 30.
C'était un petit peu osé, mais c'était vraiment pour tomber sur les 60 qui font vraiment propre. Bon, ensuite, on va aller chercher les résistances au max. Donc là, j'ai pris 2, 3, 4, 5 fois 2, donc moins 10. Hop. 33,8. On va mettre maintenant les dommages au fond. Hop. Et hop, donc ça nous fait moins 10 également pour les dommages. Ça va pas nous laisser énormément de choses, hein, malheureusement. Si la sagesse passe, on a moins 9. Ça nous laisse 14,8. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être un petit Overvita? Overvita, ça peut être pas mal. Je vais tenter, je vais faire 2 runes plus 1 et 4 runes plus 3. Hop, voilà, c'était juste pour dégager 2 depuis. Ce qui nous fait 12,8. Donc le 0,8, malheureusement, on pourra pas l'exploiter. Mais bah, on peut faire 4 comme ça. Et voilà, ça c'est plutôt bien passé. Là, on a un jet qui est complètement parfait, avec un over de 30 vita, mais bah, malheureusement, sur un item comme ça, avec puits PO invo, on peut l'avoir sans brisage PA. Donc c'est pas fou, mais c'est quand même extrêmement propre. Là, on a vraiment toutes les lignes qui sont maxées, c'est très joli. 130, 60, 60, 40, il y en a qui aiment beaucoup les items comme ça. On laisse comme ça, ou go PM? Moi, je serais d'avis à tenter un PM, parce que franchement... si on passe un PM là-dessus, en revanche, là, on a un item qui vaut sacrément cher, qui est très rare et qui est magnifique. Ça pourrait intéresser plus d'une personne, sachant que c'est quand même très utilisé, pas de greffe. Hein. Je vais essayer de laisser ça assez élevé. Ok, direct. Ok, c'est pas mal. C'est tombé quand même relativement vite. On a un G qui est encore très propre. Donc là, on a plus 85. Voilà, donc normalement, hein, je me suis pas trompé sur 3 lignes depuis, ce serait un peu con. Mais là, on a un truc vraiment correct. Hop, 92 depuis. 92 de puits, alors je vais commencer par remonter la fuite qui est en sous-G. Hop, voilà, nickel comme ça. Et là, il va falloir que je parte en over puissance, parce que j'imagine, hein, je vais lui demander, mais... plus 1 puissance, j'ai oublié. Pas grave. J'imagine que qu'il veut que je monte à 30. Parce que il est très exigeant sur les G, il veut du perf. Donc on va y aller en 30 puissance, c'est absolument pas un problème. Alors là j'ai moins 6, on va devoir monter à 32 et repasser à 30. Je vais attendre sa réponse quand même dans le doute, hein, pour ne pas lui foirer son truc des fois que 29 ça lui convienne. Mais le connaissant, j'imagine qu'il va vouloir les 30. Alors j'attends sa réponse, j'espère qu'il va répondre assez vite. Auquel cas, donc on passera à 32 et on aura 2 de puissance à faire tomber, qu'on enlèvera avec une rune fuite. Donc rune fuite qui pèse 4 de puits et donc qui fera tomber 2 fois 2, 4 de puissance, donc ce sera parfait. Bon, je prends ça pour un 8, de toute façon je le connais, et je sais ce qu'il veut, donc on va y aller comme ça. En espérant que ça passe assez vite, ok nickel, moins 12. Et donc là, bah, je vais pouvoir balancer la fuite qui va venir remettre la puissance à 32 sur celle-là, je suis quasi sûr que ça va le faire. Ok, à 30 pardon. Voilà, donc on est à 30, on n'a pas perdu de puits, là on a 2 crits sur la fuite, donc pas mal du tout. Moins 4 pour la suivante, ça nous laisse 70 de puits, ça se passe vraiment bien là. Je vais déterminer par le dommage distance. Hop, là on a des grosses runes à passer, ça peut bouffer beaucoup de puits, hein, j'espère que ça va aller. Donc là, 50 de puits, et bah, tout se joue sur ça. Et ça passe en une rune, bon bah voilà, c'est pas en crit. Ça nous laisse tout de même 35. 35 de puits, donc on va y aller en feu, je pense. Hein. Hop, donc ça me laisse 5 tentatives. Bon, je vais y aller comme ça, hop. Et il nous restera 5 de puits à la fin, donc c'est un peu dommage, mais je peux pas vraiment l'utiliser de notre manière. Ouais, je pourrais chercher du crit sur une rune ini, histoire d'essayer de gagner 1. Allez, je vais faire comme ça, on va vraiment faire les choses rigoureusement. Et non, moins 1. Donc là, je peux tenter à nouveau un crit sur une plus 2 de puits, hein, une ray R, qui nous montrait à 36 également, mais non. Moins 2, donc là on est à 32, et là c'est mort, hein. Clairement, il faudrait... Bon, c'est impossible qu'on fasse double crit d'affilée sur la ray R pour remonter à 36 de puits. Donc on va y aller sur 5 tentatives comme ça, hop. Allez, j'aimerais bien qu'il y en ait au moins une qui passe, 2 ce serait incroyable, mais bon, on va pas trop rêver non plus. Bah c'est propre, c'est quand même plutôt propre, dommage qu'on ait pas eu les 2%, mais bah, et 2-1. Et le PA qui tombe là-dessus, plus 85, ok, on a 90 de puits, il va falloir remonter ça, hein. Clairement, donc là à nouveau je suis parti sur la puissance comme un bourrin, vous le voyez, ok, 2... 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 6, ce qui nous fait moins 30 pour la puissance. Ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher, mais bon, je sais qu'il veut du 30, donc je lui fais. Si ça avait été mon item, j'aurais laissé à 29, moi ça m'aurait pas dérangé.
Bon, c'est pas grave. On perd la puissance. Et on arrive à la fuite max, c'est parfait. 56 de puits. Bon, on aura peut-être une tentative similaire à celle de tout à l'heure. Tout va dépendre du pourcentage distance. Là, si ça crit, on a un truc vraiment sympa. Autrement, eh bien, on fera 100. Ok, bon, au moins ça passe. Ça pourrait être pire, et eh bien ça nous laisse exactement 5 tentas comme tout à l'heure. Même nombre de tentatives sur les résistances. 5 tentas. Allez, c'est parti. Oh, le petit crit. Le petit crit qui met bien. Yes, 2%. Allez, il nous reste une tenta. Je vais y croire avec lui. Il nous reste une tenta. Si on a un petit pourcent qui passe, là, ça nous fait un 3%. Et dommage. Dommage, mais magnifique 2%. J'ai parfait. Très bel item hein, qui va pouvoir vendre. Il me semble qu'il est vend 55 millions. C'est léger comme ça. Je sais pas, il en a combien à force. On en fait souvent, mais... Bon, ben voilà, ça s'est plutôt bien passé, cette session de FM. Bon, rien d'incroyable, mais quand même, là, les 2% sur 5 tentas avec le petit crit qui m'a fait plaisir. Pas mal du tout. Et le PA qui tombe directement. C'était sur une esquive PM. Hein. Pas mal du tout, ça. Pas mal du tout, ça nous fait 93 de puits. 93 de puits, mais on a 2% de dommages mêlés à repasser. Je vais lui demander 647 vitesse, ça lui va. Moi, je pense que oui, hein. Concrètement, on aura beaucoup de mal à avoir mieux que ça. Étant donné que 1 de puits, c'est 5 de vitalité, donc on peut pas vraiment jouer sur un mieux que ça au niveau des coefficients. Ok. Allez, il faut que ça passe, ça. C'est pas trop mal. Moins 15. Moins 15 pour le premier, je vais ensuite passer les résistances. Oh, ok, un crit, génial. Esquive PM. Allez, moins 14, c'est pas trop mal, on s'en tire à peu près bien. Et là, les dommages mêlés, il faut vraiment qu'elle passe là. Yes! Yes, 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 49, ça nous laisse... je vais prendre les miennes, du coup, j'ai dit. Ça nous laisse 6 x 8, 48, donc 8 tentatives résistance R. Et bah là, si on a un 3 ou 4% comme il dit qui sort, c'est génial. Allez, on y croit. Ok, pff, déjà le 1% qui passe. Aucun problème. Sans pression, donc ça nous laissera une tentative supplémentaire à la fin. Allez, au moins un deuxième, là, ce serait bien. Oh, dommage. Dommage, dommage. Il est pas en groupe avec moi. Quel dommage, on avait une magnifique tentative là, qui est qu'un seul pourcent, et on peut en choper encore un. Allez, j'y crois. Et non, c'est triste. Du coup, 9 runes qui auraient été passées pour en avoir qu'un. Bah, c'est un petit peu triste. C'est un petit peu triste. Bon, bah voilà. En tout cas, on a eu de la chance sur le PA qui est tombé très facilement et qui nous a laissé pas mal depuis. Mais moins de chance ensuite sur les raids. Vraiment dommage. Il est un petit peu d'aigle. Je le comprends. Je le comprends. Bah, moi, je dis go PM là-dessus. Hein. Go PM, vu qu'apparemment le mec passe un PA toutes les 5 minutes, pourquoi ne pas tenter un PM? Ouais, bah d'accord. Direct, 85. Parce que de toute façon, apparemment, ça ne s'arrête jamais. Ok, bon bah tant pis, j'espère vraiment qu'on aura un gros jet sur ce dernier. Enfin, ce dernier qui ne sera peut-être pas le dernier, du coup, je ne sais pas. Je ne me prononce plus. C'est parti pour essayer de remonter ça. Ok, la vitalité va donner un truc très propre. Là, c'est nickel. Moins 3. On a les 149. Je vais tenter les deux paires mêlées de remonter avec 14. Oh, ça se passe extrêmement bien cette tentative, dis donc. Oh là 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 là, on va avoir un gros jet là. On va avoir un très gros jet, moins 12, allez, plus que dommage mêlé ici, et moins 30, ok, ça nous laisse 30 tentatives. 30 tentatives, est-ce que je tente un crit sur une rune qui pèse 3? Est-ce que j'ai une rune qui pèse 3 déjà? J'ai pas... c'est bien de la... Putain, on voit pas le truc. Là, je vois pas, ok, c'est bien une painée, on est d'accord. Si je me suis pas trompé... J'ai bien 33, je pense que oui, je vais recompter, tiens, dans le doute, histoire d'être sûr, parce que je suis allé un peu vite. Alors, on avait 85, on a ensuite moins 7, je vais y aller au pad, ok. Moins 7, moins 3, on a ensuite moins 12 et moins 30, et ça nous laisse 33. Ok, donc je peux tenter une comme ça, et ça ne passe pas, moins 3, voilà. Si j'avais écrit, j'aurais eu 36, ce qui m'aurait permis de faire 6 tentatives de reste. Donc, on est parti pour 5. Allez, hop. C'est parti, 149 vita, c'est extrêmement propre. Hein. Moi, j'espère pour lui qu'il y aura au moins 1% qui va passer. Et malheureusement, aucun. Franchement, ça se passe pas ultra bien. Ok, on a le PA qui arrive. Là, on a eu moins 4. Et plus 96. Donc, pas top. Hein. Pas top du tout. C'est dommage, on partait d'un G vraiment pas mal. Et là, il y a vraiment eu beaucoup de difficultés hein, pour faire tomber le PA. Enfin, il tombait relativement vite, mais l'item a été un petit peu massacré. Bon, bah, ça fait partie de la FM. Alors on va y aller sur un plus... qu'est-ce que je fais? Moins 10. Hop, 86 de puits. Je vais essayer de remonter les différentes lignes un petit peu en simultané. La fuite, ok, on a moins 12. Hop, la puissance, ça sera à 29.
c'est pas mal, moins 6 ici, je vais remonter les crits à 5, et ensuite, ok, un critique là-dessus. Critique sur le critique, ça fait plaisir. Oh, et là-dessus, ça fait encore plus plaisir, hein. Donc voilà, c'est vraiment les dommages distance que je dois remonter de toute urgence. Moins 15, ok, ça va. On a vu pire. Je vais mettre la fuite à 11, et ensuite, je vais remonter la puissance. Ok, moins 4. Moins 4, on est pas trop mal, hein, là, franchement. Ok, donc autant on a pas eu de chance sur la phase avant que le PA tombe, mais là, c'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal du tout. On va pouvoir finalement avoir quand même des tentatives, je pense, en exorèse. Alors que ça avait l'air mal barré. Hein. Ok, moins 4. Il faut juste que la rune la passe, sinon elle va me bouffer le plus qu'il me reste. Et ça va, ok, moins 15. Ça nous fait donc 22 puits. Il m'a dit quoi? Air, feu, nœud, terre, agit. Oh, ok, il a dit air et agit, c'est un petit peu la même chose, mais il n'y a pas de souci. On va partir sur un 3 pour 3 tentatives neutres. Bon bah allez, hein. J'ai pas grand chose de plus à faire que ça. Ouais, neutre, ce serait sympa. Je pourrais tenter deux ravis éventuellement, parce que si j'ai une ravie qui passe, ça pourra faire un jet propre. Mais bon, allez, on va tenter. On peut avoir 2% reste neutre là-dessus. Hein. Allez, hop. Ok, 1%, c'est pas trop mal. Je vais essayer de faire tomber le PA assez rapidement avec des grosses runes comme ceci. Voilà, c'est pas trop mal. C'est vraiment pas mal du tout là. Je vais remonter la puissance à 29. Voilà, ça nous fait moins 18 là-dessus. Ensuite, la fuite à 12, bien sûr. Moins 12 également pour la fuite. Et c'est là qu'il faut que ça passe. Allez, on y croit. Ah! Ok, bon, c'est pas top. Ça a bouffé pas mal depuis. Ça aurait pu être pire, mais bon, voilà, on va faire avec. Ce qui nous laisse 4 tentatives. Je vais peut-être faire de la res terre. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait terre. 26 depuis, ouais, ce sera pas mal. Allez, 1, 2, ah bah, c'est quoi, c'est un lac, ça, ok. 3 et 4, ok, bon bah on a 2 G complètement similaires, en 29 puissantes, le reste parfait, sur 1% terre et 1% neutre. Bon bah voilà, c'est quand même pas trop mal. Au bout d'un moment, ça devient un peu insupportable, hein, concrètement. Là, ce que je vais faire, c'est... Ah bah d'accord. D'accord, direct, donc on est à 96, ok, bon. Bon, moi celui-là c'était rapide, hein. J'étais en train de me plaindre que c'était trop chiant. Bah au moins c'est vite fait, hop, moins 12, et bah là il y a peut-être moyen d'avoir un gros truc. Hein. Concrètement on est pas mal du tout, hop, moins 4. Allez le crit, ok ça passe. Ouh là il y a moyen d'avoir vraiment un très joli jet je pense. Moins 4 si la puissance n'est pas trop capricieuse. 1, 2, ok, moins 12 là-dessus. Bon, ça nous laisse 52 de puits. Bon, là, ça peut être intéressant de tenter un crit sur une rune qui pèse 2. Est-ce qu'il en a? Rune Réter, oui, il en a. Hop, si on a un crit, on passe à 54, donc on gagne une tenta. Non, moins 2, bon, c'est pas grave. On va partir donc sur 8 tentas. Je vais mettre des RSO, tiens, hop. 8 tentas sur un G-Perf. Là, ça peut vraiment donner quelque chose d'incroyable. Hein. Allez, on y croit. Ok, déjà 1%, c'est déjà ça de prix. On a déjà un très bel item. Et si on a un deuxième qui passe, et bien c'est top. Bon, oh, 2%. Super. Magnifique, hein. Magnifique, magnifique bouclier. 2% haut. Bon, j'ai déjà fait un 2% haut hier, je crois. Mais bah voilà, il y en aura bien un 3% qui va arriver un jour. Dans tous les cas, 2%. 2%, c'est pas mal du tout. Ah, c'est pas facile. Ok. Ok, donc on avait 5. Là, on avait plus 90 sur le dernier. Et je doute qu'on ait du puits d'avant, donc on va partir là-dessus sur un 95 de puits. Ok. Ok. Bah, je sais pas trop d'autre choix que de remonter les crits. Ok, c'est magnifique ça. Magnifique. Donc là, on vient d'avoir une chance de fou. Et ça va peut-être nous donner l'opportunité d'avoir un gros jet derrière. Ok, la puissance qui passe également plutôt bien. Je vais remettre une fuite. Ouais, là, c'est quoi ces co-critiques là? Oh, c'est incroyable ce qui se passe. Encore un, et bien décidément. Décidément, bon, on va peut-être choper un énorme jet là-dessus. Oh là, on a une chance là. On a une chance folle. Et regardez, il n'y a que du vert. Bon, il n'y a pas d'échec, alors il y a beaucoup de succès critiques. Il y a quelques succès neutres, mais aucun échec, j'en reviens pas. J'en reviens vraiment pas là. C'est un peu nimp. Bon bah tant mieux, on va pas se plaindre. Hein. Allez, si ça passe... Ah dommage, ça aurait été trop beau que ça fasse ça jusqu'au bout. On est donc à moins 30 qui nous laisse 5 tentatives. Alors on va faire un élément qu'on n'a pas encore fait. Terre, on a fait tout à l'heure je crois. Feu, allez.
Je sais plus les éléments qu'on a fait, bon c'est pas grave. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Dommage. Et ok. Le PA qui tombe, ça. Bon, j'étais à 0. 85 depuis. Ça aurait pu être pire. C'est pas trop mal. C'est franchement pas trop mal. On va tenter la res mêlée. Oh, le petit crit qui fait plaisir, ça c'est chouette. Le tact, il va falloir tenter ça. Ça me fait un peu peur. Ok, là les runes passent très bien pour l'instant, c'est vraiment chouette. Le tact, il faut y aller, la patacle. Alors est-ce que je le mets maintenant ou à la fin? On va la mettre maintenant pendant qu'il n'y a pas trop de trucs sur l'item. Et oh, le crit. Oh, le crit. Ok, alors là, il y a peut-être moyen de choper quelque chose de vraiment génial. On va y aller sur les autres runes comme ça. Hop, ok, 18 pour la rune Rez qui fait assez mal, bon, c'est pas grave. Le retrait PA, moins 14. Et si la résistance mêlée passe, on aura une super belle tentative là. Ok, pas mal, pas mal. Moins 15, on a 31, donc il va nous laisser 5 tentatives. On va y aller en Rez R. Allez. Allez, ce serait bien qu'on ait un 2%. Bon, 1% ce serait bien, mais 2% là-dessus ce serait incroyable. Et malheureusement, non. Dommage, vraiment dommage. Je vais essayer de remonter les résistances mêlées assez vite. Ok. Bon, bah, au moins c'est rapide, c'est une bonne chose. 3 plus 80... plus 85. Hop. Moins 6. Ça crit, c'est cool. On va remettre ça là, moins 15. Ensuite, oh le retrait PA, je pourrais tenter une pas retrait PA, mais là ça va être assez compliqué quand même. Je vais tenter peut-être Patak et pas retrait PA. Parce que là, si on a du crit là-dessus, on se met vraiment très bien, mais malheureusement, c'est des runes qui pèsent très lourd. Hein. Allez, je tente. Alors ça ne donne rien, d'accord. Quand le jeu se met à bugger, on aime beaucoup. On était sur lequel? On était sur celui-là. Hein. C'est un bug, hein, ça c'est clairement un bug. Hop. Donc, bah, c'est... du coup je vais mettre Patak, mais là je peux passer le retrait PA, hein, y a aucun souci. C'est un bug. Ok, oh bah du coup on a un crit du tac, là, ça fait plaisir. Allez, bah, je vais réessayer la pas retrait PA. Et, oh, pouf. Oh la vache. Ok, là il y a peut-être moyen d'avoir un truc incroyable. Je viens de passer deux runes ultra lourdes en crit. Je vais me garder le pourcent de res mêlée pour la fin. Hop. Ok, on a moins 24 là-dessus. Pour peu que celui-là passe bien, on va avoir quelque chose de vraiment chouette. Ok, moins 15. Ok, bah j'ai 3 tentatives. 3 tentatives. Bah si on arrive à avoir 2% sur 3 tentatives, c'est vraiment... Oh ! Dommage, dommage, on n'a qu'un pourcent. Ça aurait été bien d'avoir 2%. Pas mal. Bah, j'ai acheté un jet comme ça à 25 millions il n'y a pas longtemps. Bah, donc c'est... Je vais balancer des grosses runes pour essayer de faire tomber le PA. Hop, ça a quand même plus de chance. Ok, la rappui là qui était un petit peu osée, mais qui passe. Et oh, c'est très bien ça. Ça, c'est très bien. Alors, j'étais allé en crit au début, je crois que oui. Hein. Ça nous fait donc 8 plus 15, moins 10. Hop. Ensuite, moins 10. Ensuite, là, on a eu plus... Plus 10 là-dessus, hein, oui. Deux fois un dommage distance, ça nous fait du 30, moins les 20 de la 10 de puissance, ça nous fait plus 10. Et plus 85, donc là 98 depuis. Et on est sur du gros gros jet là. Je vais faire, allez, un dommage distance. 15. Le crit. Moins 20. Ok, là il y a peut-être moyen de choper un truc incroyable. 48, on a 8 tentatives. C'est vraiment chouette. Hein. 8 tentatives res. 8 tentatives res là-dessus. Bah, si on a de la chance, là je ne sais pas. Hein, ça peut très mal se passer, comme ça peut extrêmement bien se passer à ce stade. Vita res. Non, res. Hein. Res mieux, je trouve. La Vita, là, pas top. Si on peut avoir du 3%, la question c'est juste quel élément. Mais non, on peut pas mettre Vita plus Res, enfin on peut, mais c'est en termes de probabilité c'est tellement faible, il faut pas faire ça. Ok, bon je lui ai demandé l'élément qu'il voulait faire, il a pas l'air d'avoir compris. On va donc partir sur de la Res R, allez. Alors, 1, non, 2, 3, 4, 3, j'ai cru, 5,
6, 7 et 8. Et ben voilà, quand je vous dis que je savais pas si ça allait très bien se passer ou pas, c'est de la merde. Oh, je suis deg, la tentative était tellement belle. Oh, il y aurait eu moyen d'avoir un truc de fou. Il y en a, ils font ça, ils ont mis 4%, puis quand c'est moi, c'est 0%. Bon, voilà, c'est la classique. Décevant. Décevant, qu'est-ce qu'il fait? Il met un PA? Ah oui, bah pour le 4 feuilles, du coup. Alors, on va finir par passer un PA là-dessus, en vrai. Hein. Et, non, dommage. On est parti sur le 4 feuilles. Allez, la puce. Oh, cool, cool, cool. Nice. C'est bien, ça. C'est bien. Au moins, ça va peut-être mieux se passer sur celui-là. Ok, la fuite qui crit, là, ça part très bien, là. Oh, c'est pas mal du tout. Décidément, il suffisait que je dise ça pour que ça parte en couille. Ok, donc moins 24 pour 1 de fuite, c'est génial. Espérant que celle-là passe mieux, et moins 30 à nouveau. Bon, ça nous laisse 40 de puits, c'est dommage, on aurait pu avoir bien mieux que ça, ça avait l'air de bien partir, et finalement, ça c'est un peu compliqué. Bon, bah tant pis. Hein. Tant pis, j'ai pas des runes qui pèsent 2, là. Une réécrit ça? Ouais. Réécrit, si je crit, on gagne une tenta. Hop, ça ne crit pas. Et non, c'est mort. Donc on a 6 tentas. 6 tentas, on va y aller en R. 3, 4, 5 et 6. Pas mal. Pas mal le petit 2% là. Bon, c'est un 28 puissance. Lui, il cherche pas le 30 puissance hein, comme d'autres de mes amis. Mais là, c'est quand même un très très beau jet. Hein. Concrètement, il y en a qui donneraient cher pour avoir ça. Bon, bah, dommage pour le certain de malheur, mais là, on s'en sort pas trop mal. Donc ça fait 2-4 feuilles, 2% qu'on passe. Plutôt chouette. Allez, j'aimerais bien qu'on termine sur un bel item. Oh, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, j'ai eu combien, là? J'ai eu moins un tacle. Qu'est-ce que ça m'a fait? J'ai eu 2 ici. Ensuite, moins 2. Et, ok, donc là, j'ai exactement... 88 depuis, hein. 100 moins 12, ça fait bien 88, je sais compter, ok. Ok, donc il y a peut-être moyen de terminer sur quelque chose de propre. On va devoir à nouveau tenter le double crit, là. Ça va encore être compliqué, hein. Ça va encore être très compliqué. Ok, bah, un crit, allez, si on a encore le deuxième crit, c'est vraiment incroyable. Ok, bon, ça passe, c'est pas un crit, mais ça passe. Bon, bah, il y a peut-être moyen qu'on s'en sorte, du coup. Allez, je vais y aller comme ça. Moins 15. Ici, moins 6. Bon, ça passe pour l'instant, c'est pas trop mal. Si j'aurais bien terminé sur un crit là-dessus, ce serait chouette. Et malheureusement, non, ça nous prend beaucoup là. Hein. 19 depuis, ça nous fait donc 3 tentatives hein, sur les RES R. Et malheureusement, non, on n'en a aucune qui passe. C'est bien triste. Bon, je suis vraiment deg pour lui là, pour qu'il a brisé le G où on avait 1% tout à l'heure. C'est dommage. C'est franchement dommage. Qu'est-ce qu'il fait? PA, pas PA? Je ne sais pas trop. Ou alors il va peut-être essayer de le vendre comme ça. Je pense que comme ça c'est vendable aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est tout de suite moins bien que ce qu'on avait visé. Hein, et que ce qu'on a eu tout à l'heure. Alors apparemment il a encore des runes PA sur lui. Sinon j'allais en mettre une des miennes. C'est pas bien grave. Hop! Allez, ce serait vraiment drôle qu'on termine sur un PA là-dessus, mais bon, j'y crois pas trop, bien sûr, hein, mais... Bon, on est parti pour ce premier PM qui vient de tomber. Malheureusement, ma vitalité, là, est trop haute, parce que juste avant, j'avais un G entièrement maxé sur tout ce que je voulais, donc j'ai mis de la vitalité, alors que normalement, je la maintiens en dessous de 300, et forcément, c'est à ce moment-là que le PM tombe. Donc, je suis obligé de partir en Evervita, mais bon, ça va, ça passe. Ça passe, donc, moins 10. Alors là, il me faudrait un truc qui pèse 7, idéalement, je n'en ai pas... je n'en ai pas, bah, je vais y aller sur des raises, hein. J'ai pas trop le choix. Hop. Voilà, et là je vais enlever le petit surplus de vitalité avec une rune d'initiative. Hop, ok, ça passe en plus, c'est pas mal. C'est pas mal, alors maintenant la force, on est parti. Je vais essayer de la remonter à fond. Hop. 6. L'agilité. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, et bah dis donc, 45 depuis sur ces petits trucs là, waouh, ça m'a un peu défoncé ma tenta, moi j'avais pas trop le choix de toute façon, et on n'aura pas beaucoup de tentatives de résistance à la fin avec tout ça, c'est dommage. 21, bah je peux tenter 3 runes, R,
Et on va devoir se contenter de ça. Allez, 1, 2 et 3. Et on a qu'un seul pourcent, voilà. Et bien sûr, le PM passe là-dessus. On va refaire une petite tentative d'invoque. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que, alors, pour ceux qui ne savent pas, là, ce qui vient de se passer, on peut pas avoir plus... On peut pas avoir plus que 101 de puits sur un item en cumulant les exos et les overs. Et là, avec le payeur, on a déjà 100, donc on a le droit de dépasser de 1 encore de puits. Donc là, on pourra rien dépasser, en fait, tout simplement. Donc c'est forcément la fuite. On n'a pas d'autre choix. Oh, ça passe! Oh là là! Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien parce que là, ça me permet de tenter une part écrit. Et la part écrit... Oh là là, si on a une... Si on a un crit sur la paf fuit, si la paf fuit passe, je prends. La paf fuit passe, j'achète le boubou. Je l'achète et on laisse le PA. Alors là, si ça, tout se joue sur cette rune. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas passé en crit. C'est pas passé en crit, mais on peut tenter. Par contre, je vais compter clairement le puits à chaque fois. Là, j'avais 2 sur cette rune-là. On a eu moins 12. Ah, je me suis chié. Ok, j'avais 2. Moins 12, plus 6, et plus 4, ce qui nous fait 0. Ok, on a tombé à 0 depuis. Allez, la papuie. Oh, ça crit. Ça crit. Bon. Je pense que je vais lui acheter comme ça, en fait. Je pense que je vais lui acheter comme ça. Il manque 2 récrits, mais... C'est dingue, ça. J'achète l'item. Alors, on va voir pour le prix, ça, on va négocier en privé. Un G comme ça, sur un item sans puits avec un PA. Sachant que la récrit, on peut pas avoir plus que 33, parce que là, on part... Enfin, si, on pourrait. On pourrait monter à 35 en over récrit, mais c'est très compliqué. Et la puissance, pareil, c'est assez galère, je pense que je vais acheter. Bon, du coup, je stoppe le record ici, je pense pas qu'on va le briser, hein, parce que là, on a quand même du très gros G. Voilà, et dis donc, waouh, beaucoup de stress sur ce FM, là, le petit crit sur la puissance qui met extrêmement bien, c'est complètement inattendu. Moi, mes 20 fuites, oui, la fuite, c'est la vie, hein, quand on est taclé. Bref, waouh, super FM. J'aurais dû hurler de joie, en fait, sur le 3 puissance, j'ai pas réagi tout de suite, mais concrètement, c'est génial, hein, ce qui vient de se passer. Hein, depuis, je vais tenter les plus grosses runes en premier. Normalement, ça a plus de chances de faire péter le PA, voilà. Mais c'est quand même pas une valeur sûre. Hein. Et donc là, j'ai plus 100, moins 12 pour la pataque. Voilà, ça nous fait donc 89. Dis donc, là, on a quand même moyen d'avoir un truc très sympa, là. Allez, faut que ça passe, ça. Mais c'est quoi cette rune de merde? Bon, c'est dommage. C'est franchement dommage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça y est, 6. Donc, moins 72. Mais c'est... Je sais même pas quoi dire, ça fout la rage. Moins 6. Et on avait déjà plus de puits, quoi. Il y avait un truc vraiment sympa. Et moins 7, il nous reste 4 de puits. Mais avec 4 de puits, on ne peut rien faire malheureusement. On va mettre des réfixes, hein, mais... Ouais. Oh, c'est chiant. Encore une tentative, plutôt pas mal. Alors là, cette fois-ci, elle est vraiment bien. Vous voyez, on a tout qui est bien maxé. On a juste 11 dommages air et terre, ça va se remonter assez facilement. En revanche, la vitalité, il faut que je parte en over, et c'est ce qui m'inquiète le plus. Alors si ça passe bien... non, dommage. Là, c'est clairement mort. Allez, tant pis. Bon, encore un PO. Alors là, c'est sur un crit que c'est tombé, et à nouveau, j'ai une vita merdique. La vita va vraiment me poser des problèmes. Alors c'est possible que je laisse les critiques à 3%, ça va dépendre de la manière dont se déroulent les choses. Parce que j'aimerais bien ne pas passer trop de temps dessus et avoir un jeu quand même jouable, on va dire, si j'ai envie de faire des petites vidéos avec ce genre de stuff. Allez, moins 10, à nouveau ici. Là j'ai un truc déjà nickel, il me reste 21 depuis. Je peux faire 3 tentatives sur les res R et je vais le faire maintenant.
J'ai pas envie de perdre autre chose sur le crit. Je referai peut-être voilà, plus tard, peut-être en brisage PA, ce système. Mais là, j'aimerais vraiment que ça ne soit pas trop long. Hop, ok. 1% reste. Bah, si on a un PO, je m'arrêterai là. J'ai envie de ne pas y passer la journée. Ok. On a le PO. Bon, c'est dommage pour le critique, hein, mais... Bon, c'est sur le reste, c'est propre. C'est propre. Et puis un critique sur un mode R-retrait, concrètement, c'est pas vital. Mais ça fait toujours plus propre quand c'est là, bien sûr. Voilà, donc je retourne à mes bottes. Allez, c'est parti pour ce petit bouclier. On va y aller vite fait, bien fait. Allez, hop, il suffisait que je le dise. Et bon, on n'est pas trop mal, là. On n'est pas trop mal. Moins 15, hop. 4, moins 24, hop. Le retrait PH, je fais combien? 46. Je vais y aller sur des runes simples. 5, 6, oulala, ça fait lourd, ça pèse lourd tout ça, là on a moins 42, bon ça nous laisse 4 depuis. Je peux tenter une rune tacle. Ouais, je pourrais faire ça, ou alors mettre des exorès fixes, mais ça vaut tellement rien. Allez, tacle, oh ça passe. Ça passe, bon, bon on a utilisé tout le pu, on a un G parfait. Bon bah je crois que ça va partir en PA là-dessus. Hein. Je pense que ça va partir en PA. Depuis. Malheureusement. Ouais ouais c'est ça, hein. Je vais peut-être recompter vite fait, mais là j'ai eu 30 sur les deux grosses runes là, j'ai eu 24, moins 24. Et ensuite, allez, je vais lui payer mon PA. Ouais non, on a bien zéro puits là. Oh c'est quoi ce truc de merde qui marche encore pas. Ah oui, c'est vrai que depuis la barre en bas, on peut pas passer les runes, là. Il faut vraiment que je fasse comme ça, normalement. Ah bah non plus. Super jeu, super jeu. Bon. Apparemment, j'ai pas le droit de mettre les miennes. Bon bah du coup, pas de PA. Tant pis. Oh, c'est chiant, en vrai. Hein. C'est très chiant. Bon bah, je peux pas. Je ne peux pas. Ou au pire, je pense que comme ça, c'est vendable. Eh bien, c'est parti pour une tentative vraiment pas mal du tout. Enfin, assez originale. J'ai fait le choix de laisser la force et la J en dessous de 50 pour pouvoir aller chercher la Ra Faux et la Ra Âge. On va tenter ça. Si on a des runes qui passent bien, là, on peut avoir un truc vraiment pas mal. Donc là, j'ai moins 9 là-dessus. Et voilà, il faut que je fasse 3 crits sur des grosses runes. Ou crits, enfin, en tout cas, que ça passe, quoi. Voilà. 1, 2, 3... 4, ok, moins 40. Ça aurait pu être pire, hein. J'ai donc 37 depuis. 37, je peux en utiliser un sur l'agilité en essayant de remonter. Ok. Et j'ai 6 tentatives. 6 tentatives, allez, ça peut donner un truc bien. Oh, je sens venir le 3%. Oui, le 3%. Et le PM. Il me le faut ce PM, vraiment il me le faut. Yes! Putain! Yes! Ça faisait tellement longtemps que je l'attendais, oh oui! Oh, désolé si j'ai crié, oh là là. C'est nickel, bon bah du coup, ça vient clôturer cette vidéo, enfin. Enfin, c'est fini. Cette malédiction, là, elle est brisée. Oh là là, plus jamais j'en touche cet item, je suis pas prêt de remettre les pieds dessus en FM. Hein. Oh, je le méritais ce 3%, je peux vous dire, en vrai, j'aurais même dû avoir un 4%, hein, techniquement. Bon, c'est là qu'on fait le mec et on balance une invoque ou pas? Non. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Deuxième puits PO, donc on est à 41 depuis, il est arrivé très très rapidement après la dernière session là, donc peut-être qu'on va pouvoir en faire quelque chose de bien. Oh, les petits critiques sur le retrait PA, ça fait plaisir ça. Oh, ça s'est très bien passé là, inattendu, les dommages on va remonter, ça crit également, décidément on a pas mal de chance pour le moment. Oh la vache, dis donc. Eh bien je sais pas ce qui se passe là, mais c'est plutôt appréciable. Les récris. Est-ce que je les laisse là ou est-ce que je les remonte? Ça m'embête d'avoir à 20... On va chercher systématiquement le 25, je pense. Ouais. Donc on va devoir partir en over réécrit comme ceci. Moins 12, et ensuite je vais retomber avec une raise normale. Hop, voilà. Histoire qu'on n'ait pas de... Ouais, parce que 23 sur 25 réécrit, ça fait un peu sale, sachant que c'est pour du PVP. Ça m'embête, alors moins 6 ici, et ben on va peut-être avoir une tentative. Sachant qu'un G-perf là-dessus c'est déjà assez compliqué à choper, parce que même s'il y a un PO, il y a quand même pas mal de choses à remonter. Voilà, on va faire au mieux, moins 6, ça me laisse 5 depuis. 5 depuis. Est-ce que je tente une raise?
Est-ce que je tente une raise? Oui, allez hop. Ah, bah, j'avais un peu de puits résiduel, donc ça n'a pas fait de malus. On va rester là-dessus. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remettre le PO, et si ça passe, je tenterai un PA, parce qu'un PA sur un G comme ça, ça fera plaisir aussi. Ok. Wow, alors là, je viens d'avoir un puits PO qui est vraiment remarquable. J'ai les 40 sagesse, il manque juste 3 réécrits, on a la fuite au max, les dommages au max, tout, enfin, vous voyez le G, là, écrit, très PA, les res, tout est vraiment très très haut, donc là, il y a peut-être moyen d'avoir un truc tout à fait incroyable. Il y a juste la vitalité qui est à 346, mais je pourrais pas avoir mieux, donc je vais la laisser comme ça. La seule difficulté va être l'intelligence, il faudrait que je passe à 71, et yes, ça passe. Ça passe, alors ça, c'est vraiment une bonne chose. On va enlever un ici, et bah là, on va peut-être pouvoir avoir une très très belle tentative. Oh, on a en plus un critique là-dessus, inattendu. Ce qui veut dire que j'ai 35 de puits, et plus le 1 de force, donc je peux faire 6 tentatives. 6 tentatives sur les résistances R. Franchement, sur un G comme ça, sur un puits PO, c'est quand même relativement rare. Donc là, je suis vraiment très optimiste. Allez, j'aurais bien en avoir... Oh non, sérieusement, j'en ai 0. Bon, là je suis sacrément triste, et en plus on a la portée. Oh là 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 là, j'aurais tellement aimé avoir au moins 1% res. Bon. Dommage, hein, vraiment dommage. Est-ce que je tente un PA à nouveau sur un G comme celui-ci? Allez, oui. On se retrouve quelques runes plus tard. Alors le PO avait fait 2 échecs critiques consécutifs, donc j'ai mis un orbe pour reset le G. Et le PO est retombé directement après. Alors là du coup on a un truc que j'ai pas pu travailler en avance pour avoir quelque chose qui me convient, donc là la vitalité est pas pratique du tout. Heureusement l'intel est correct, à 68 je vais garder. Donc voilà, comme la vitalité là passe plutôt bien, on va espérer pouvoir choper un truc intéressant, on va voir si j'arrive à remonter tout. Qu'est-ce qu'il faut que je remonte là? Là j'ai 7 de puits en trop concrètement. Ce que je peux faire... Aller chercher des dommages. Oh, bah, décidément, les critiques, ça fait plaisir. Ok. Et les réécrits. Je peux essayer d'aller chercher les 25 avec des réécrits simples, ça peut encore le faire à ce stade. Mais ça me paraît un peu ambitieux quand même. Hein. Non, bah, tant pis, c'est pas passé là-dessus. Je vais mettre la rune d'au feu. Hop, ça passe en crit, c'est chouette. La fuite, moins 12. Et là on a 27, ok, je vais quand même remonter les récris. On va y aller sur un mini-over, et ça passe, ok, c'est cool. Ça passe. Il va falloir maintenant que je leur baisse à 25, voilà qui est fait. Et ça nous fait donc, eh bien, à nouveau, on a malheureusement un tout petit peu de... Enfin, il nous manque un tout petit peu pour avoir une tentative supplémentaire, parce que là, avec les deux de la résistance R, je suis à 23 de puits, il m'en faudrait 24. C'est compliqué ça, il faudrait que je tente un succès sur une ré-R. Parce que là, je peux même pas balancer une autre rune pour essayer d'avoir un succès critique, parce que comme il y a déjà un exo ré-R, c'est quasi sûr que ça passera pas. Ok, on va tenter un succès critique là-dessus. Pas de succès critique, on peut continuer, et non, ça ne passe pas. Donc on n'aura que 3 tentatives, et pas 4, c'est dommage. C'est dommage, ça aurait pu être pas mal. J'en ai quand même une qui passe. Et bon, bah peut-être qu'on va avoir un PO là-dessus. Et oui, on a le PO là-dessus. Bon, je suis un petit peu... je suis content d'avoir terminé ce FM avec les 25 réécrits qui sont plutôt propres. On a quand même eu des tentatives plus belles que ça, parce que là, la vitalité est pas top. 345, c'est le minimum que je peux accepter. Et 68-38, c'est vraiment les statistiques minimum que j'accepte sur les lignes, quoi, pour mes items. Donc là, on a un truc qui est quand même relativement médiocre. Et je suis vraiment déçu pour, tout à l'heure, la magnifique tentative qu'on a eue à 2%. Là, on avait 9% res R et c'est pas passé. Et bon, bah c'est pas grave, hein. Peut-être que je reprendrai ce FM plus tard. En tout cas, je vais l'arrêter ici, puisqu'il a déjà assez duré, et moi je vais peut-être pouvoir jouer un peu avec ces systèmes quand même, en attendant d'avoir un meilleur G. Petit puits PA, et là on a vraiment une tentative très intéressante, parce que j'avais eu un puits PA au peu de temps avant, et vous voyez que j'ai pas de grand chose à remonter, il manque juste le tac, la vitalité, et c'est tout. C'est tout, donc j'espère que ça va le faire. Ok, on a un succès crit sur le tac, je vais remettre la vita à 360, voilà, ça passe du premier coup, c'est génial. Là il y a moyen que ce soit vraiment chouette, l'intelligence qui était déjà à 79, ça m'enlève une énorme épine du pied. Ok, allez le tacle, qui crit à nouveau, hein. Ça c'est vraiment chouette, on a moins 6 ici. Eh bien ça nous fait 78, ce qui nous laisse 13 tentatives. Eh bien là il y a moyen de choper peut-être un 4%, soyons fous, on y croit. Bah allez, petit stress là, j'aimerais vraiment avoir un gros truc. Ok, 1% à au moins 3. Quel dommage. Quel dommage. Et bien sûr, si la cyclopéa repasse, bon, on va mettre une invoque. Hein.
Bon, cette fois-ci, on n'a pas un truc incroyable, on a 14 de soins, mais bon, c'est dans l'ensemble à peu près correct. Tout va dépendre des critiques qu'on a éventuellement. La vitalité, je vais devoir over. Là, on a 3 et 13. Alors, moins 13 de puits. Ok, il faut que je récupère 2 là-dessus. On va mettre une petite rune comme celle-ci. Voilà, c'est nickel. Ensuite, l'intel, il va falloir balancer des Rainées. Oh, le double succès critique sur la Rainée. Ça fait extrêmement plaisir. Si on peut avoir pareil sur du soin. Non, malheureusement, ça ne sera pas le cas, mais c'est quand même plutôt correct, hein. Ok, bah voilà, sur l'intelligence, ça nous a mis bien, et on aura peut-être moyen d'avoir un truc correct à la fin. On va voir ça. Bon, bah là, il n'y a plus grand-chose à remonter, ça va aller relativement vite. Ah, j'ai perdu beaucoup de puits sur la res, là. À mon avis, ça va être chaud. On a 5 ici, on a 4 ici, moins 9, ça nous laisse 20. 20 de puits, bon, je peux balancer 2 sur de l'intelligence, mais à ce stade, c'est clair que ça passe pas. Et là, bah, si je veux remettre 3%, il faudrait que les 3 passent. Ça commençait presque bien, mais non. Ça ne sera pas le cas. On a le PA, on va mettre une invoque. Sachant qu'il me restait probablement du puits d'avant pour le PO, parce que j'ai pas compté, j'ai juste voulu remonter le G avec. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu flou, potentiellement un peu compliqué, mais comme le G est globalement à peu près propre, ça peut quand même marcher, donc on va voir. On va voir ce qu'on en fait. Hop, le petit 13 ici. On va mettre également la vitalité qui prend pas mal de puits, moins 28. L'intelligence, pardon. L'intelligence, hop. Il ne reste plus que les esquives PM et on est bon. Est-ce qu'on va arriver à aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. Hein. Moins 21, non, un de puits restant. On va pas faire des trucs incroyables avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah tiens, parce que là ça sert clairement à rien de tenter un PA sur un G presque parfait parce qu'il y a un PA. Un PM ce serait débile parce que ce serait pas du tout optimal de mettre un PM sur un item puis PA. En revanche, ce qu'on peut faire de potentiellement sympa, c'est tenter un succès critique sur une résistance distance. Et ça, ce serait pas mal. C'est quelque chose que je vois assez peu souvent et moins reliquat. Ah bah j'avais du puits d'avant apparemment. Très belle tentative avec 96 de puits. Là, il y a moyen que ça se passe très bien. On est sur des valeurs qui m'arrangent vachement sur la vitalité et l'intel. La vitalité, puisqu'en utilisant des pavis, on peut arriver à 299 puits à 349, comme vous le voyez. Donc moins 16 ici. Et l'intel qui m'amène également à 79. Avec un succès critique en prime, c'est nickel. On a les soins, on a tout qui est pas mal. Là, bah, franchement, il y a moyen que que ça se passe très bien. On perd un petit peu ici, c'est correct, on a moins 15. Moins 15 qui nous laisse 55 de puits. Eh bien, je vais utiliser un de puits sur l'intel et repartir sur 9 tentatives de raise. En espérant que j'ai à nouveau un 3% comme tout à l'heure. Malheureusement, ce ne sera pas un 3%. On a le PA à nouveau là-dessus. Bon, là, on a eu un petit puits PO. Bon, ça m'a l'air un peu foireux, mais je vais quand même le filmer dans le doute. Il va falloir que je parte sur un gros over vita, mais ça passe. Ok, c'était un petit peu osé ça. Mais ça s'est bien passé. Et là, je vais essayer de le récupérer là-dessus. C'est nickel. C'est nickel. Et bah, il y a peut-être moyen d'avoir quelques petites tentatives. On va voir ça. Si l'intel passe, ok, moins 10. Bon, ça me laisse tout pile de quoi tenter 3 runes de res. Donc si des fois j'ai le triple succès. Non, ça ne sera pas le cas malheureusement. On va retenter le PO, pardon, et là, bah, du coup, on va partir en attendant. C'est une belle cour sombre qui a un G, comme vous le voyez, assez spécial, puisqu'il n'y a pas la portée, mais on est sur un truc presque parfait, il manque juste 1% de rester et un dommage R. Alors, pourquoi j'ai fait cet item et pourquoi il est dans cet état? C'est tout simplement car c'est l'arme de mon Ouginak. Donc Ouginak R pour PVP, je joue avec une belle cour sombre depuis très longtemps, et j'aimerais bien avoir un énorme G. Seulement, cet item, il est très dur à FM. Voilà, il y a 50 sagesse, il y a 30 repos, enfin, il y a pas mal de trucs assez complexes. Sur puits PO, c'est compliqué, mais sur un Nuginak, la portée, enfin, en tout cas un Nuginak R, la portée ne sert vraiment à rien du tout. Donc, je vais partir sur un G sans portée, voilà, tout simplement. Alors, ce que j'ai fait pour le FM, c'est que bah, j'ai utilisé le puits PO, ce qui m'a permis d'arriver à ce G, et quand j'avais plus de puits, j'ai tenté un PA, et ce PA est passé. Voilà, bon bah sur ce, je suis parti. Donc vous avez compris ce que je cherche à faire, ça va être soit de miser sur des succès critiques et donc d'aller chercher les 10% rester, les 12 dommages R sans péter tout le reste, soit tout simplement bah, de faire péter le PA et, en essayant de maintenir un très bon G et auquel cas je partirais sur un exo résistance R. Voilà, donc là je suis vraiment. J'ai limite le cœur qui bat à fond tellement j'ai envie que ça se passe bien parce qu'un jeu comme ça, waouh, y a quand même une opportunité qui est énorme derrière. Allez, on est parti!
Oh là là, le PA qui tombe direct. Oh là 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 là, yes, je l'ai pas massacré. Bon, j'aurais préféré dans l'immédiat, enfin dans l'absolu, pardon, que le PA reste et que j'ai un double succès critique, mais ça, bien sûr, c'est en probabilité extrêmement faible. En revanche, que j'ai que je récupère directement du puits comme ça, c'est quand même pas mal, hein. Donc, moins 12, on a les restes R. Maintenant, on est parti sur le dommage R, moins 10, ce qui nous laisse 72 pile poil. 12 tentatives pour des résistances R. Alors là, j'aimerais vraiment... Bon, je peux enlever les runes de signature. J'aimerais vraiment avoir au moins un 3%. Allez, 1%, yes. 2%, yes. Oh, si j'ai un 3%, mais... Ah, j'y crois plus. Oh là 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 là. Bon, j'ai un 2% sur un G qui est quand même ultra clean. J'aurais aimé avoir un 3%. Un 2% comme ça, c'est faisable sur le PO avec un peu de chance. C'est faisable. Bon, bah malheureusement, je vais devoir rester sur ce G. J'aurais tellement aimé voir un 3ème% passer. Bon, c'est pas grave, c'est quand même... ça fait quand même plaisir. Wow, 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 wow. Là, je viens d'avoir un super, super puits PO. Alors là, il tombe. Il tombe alors que j'ai la vitalité à 293. Donc, je dois passer une pavie, moins 6. Et... Ok, ouais, je perds beaucoup là-dessus, hein, mais je suis vraiment très exigeant sur la vitalité, donc là je voulais pas la laisser à 343. Alors là j'ai 348 et c'est bien mieux. Bon, ça m'a fait perdre du puits, mais c'est pas grave. Il me reste donc 22, mais il y a déjà tout qui est très bien sur l'item là. Hein. Oh, quel dommage. Quel dommage, je perds trop de puits là-dessus. Donc bah, je pourrais pas aller plus loin, je vais à nouveau tenter un PA. Tant pis. Allez hop, on enchaîne. On va monter l'intelligence pour commencer, moins 3. Ensuite, les grosses runes, allez, Ravi, Rainé, ok, un critique, et un succès neutre, c'est pas mal du tout. On est parti là pour les récris, ok, moins 18, c'est pas, bon, ça pourrait être pire. Le reste est bien, il n'y a plus que la fuite à remonter, on va pouvoir partir sur la restère, moins 8, et ça nous laisse 6 depuis, ok, bah j'ai qu'une tenta. Hop, ça passe, allez, le petit PO, yes, bah voilà. Voilà, bon bah alors par rapport au jet initial, j'ai juste gagné 2 récris concrètement, j'ai pas regardé les subtilités sur le reste, mais bon, c'est pas incroyable, mais en tout cas, c'est plus propre. On a ici un puits PO, mais je vous le filme quand même, parce que là, on est sur du gros jet à la base, donc peut-être que même si c'est du PO, ça va donner un truc bien. Là, vous le voyez, j'ai que l'intel et la vie à remonter, et je pourrais partir sur les raises. Moins 40, et malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de chance là sur les grosses runes. Je vais pouvoir tenter. Alors là, dans les cas-là, le seul truc qui peut être intéressant, c'est une résistance distance. C'est ça. Puis PO, là, bon, bah, rien à souligner de particulier là-dessus. Il va falloir faire un over intel. Ça passe. Ça passe. Je vais récupérer ce que j'ai en rab sur les pavis. Hop, parfait. Ensuite, une ravie qui passe. Et je vais récupérer l'Overvita sur une rune voilà, qui ne passe pas. Bon, c'est pas grave. Et là, bah, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, moins 9. L'esquive PM, moins 7. La res qui crit. Le dos feu, moins 5. Le tacle. Et ensuite, on est parti pour les res. Moins 8. Ok, j'ai 37, je peux faire 6 tentatives. Je sais pas pourquoi j'ai réduit la calculatrice. Hop. Et 1%, malheureusement, ça commence à être gênant. J'en ai un peu ras le bol là, et surtout, voilà, vous le voyez là, mes kamas. J'ai plus vraiment de quoi aller racheter des runes. Ok, j'ai ici un magnifique puits PA qui vient d'arriver. Alors malheureusement, l'intelligence est un tout petit peu trop basse. Je vais donc devoir partir en over intel et en over vital. Le over intel peut être assez compliqué, mais bon, je vais faire au mieux. Et à part ça, bah, tout est bon. Le reste, là, je venais d'avoir un puits PO qui s'était bien passé. 4... Ouais, moins 40 là-dessus. J'ai pas fait gaffe. Ouais, j'avais 90, moins 40, j'ai 50 depuis. Qu'est-ce que je fais, moi? Faudrait une rune qui pèse 7 pour dégager l'over, là. J'avais pas ça en stock. Pas retrait PM, on va peut-être pas balancer un truc aussi gros. C'est mal rangé tout ça. 8, non, ça m'intéresse pas. Bon. Je dois avoir un retrait quelque chose qui traîne. Ok, retrait PM, c'est nickel. Retrait PA, ça marche aussi. Hop, parfait.
Alors maintenant, la vitalité, deuxième point délicat. Ok, ça passe. Bon, ça me laisse 40 depuis, c'est dommage, j'aurais pu être un petit peu plus que ça. Et je récupère un depuis là-dessus. Malheureusement, il me faudrait... Ouais, il m'aurait fallu un tout petit... Un depuis en plus, en fait, et j'aurais gagné une tenta, quoi. Bon, c'est pas grave. J'aurais donc 6 tentatives. Si j'avais eu moins 5 et moins 5, ça aurait pu le faire, mais là... Là, c'est plus compliqué. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, la sixième qui passe. Bon, là, il me manque vraiment un depuis pour avoir un quatrième pourcent, mais enfin, une tentative de plus, du moins. Mais, voilà, comme j'ai eu un moins 6 et pas un moins 5 sur la Vita, c'est beaucoup plus compliqué. Bon... Est-ce que c'est sur ce magnifique jet parfait 350-80-40 que le PA va repasser sur un 3%? Ça me ferait du bien pour le moral. Ça me ferait du bien. Allez, je dis rien de plus. Yes! Oh! Oh oui! Oh, ce soulagement, si vous saviez. Si vous saviez. Bon, la vidéo, du coup, je l'ai tournée sur presque une semaine. Vous avez peut-être vu sur les éclairages, sur comment je suis habillé, etc., que ça a été fait en pas mal de séquences. Et le nombre... Le nombre de PA que j'ai claqué sur cette merde, de tentatives PA, de runes, je crois que j'ai dû lâcher peut-être, je sais pas, 60 millions de kamas dessus en runes. Enfin, sachez que ce que je vous mets dans la vidéo, c'est pas tout, hein. J'ai sélectionné un peu les tentas sympas, mais enfin, franchement, l'item n'est pas dur à FM en soi, il n'y a pas de difficulté particulière, mais le PA repasse jamais, quoi. Franchement, là, j'ai eu de la poisse, hein. Des fois, il y en a d'autres, ils vont faire ça, premier puis PA, ils vont sortir à 3%, ça va repasser, ils en parlent plus, quoi, mais bon... Bon bah je suis quand même, là on est quand même sur du G parfait exo 3% res sur un item qui est extrêmement utile en PVP, enfin voilà, franchement ça en valait la peine, ça valait la peine de persévérer, d'aller systématiquement chercher les 80 d'intelligence. Et puis bon bah un petit mot pour ceux voilà, qui voient ceux qui cherchent l'optimisation comme des mecs qui réfléchissent pas, qui sont dans la facilité toujours tout péter. Voyez le travail qu'il peut y avoir derrière, pour avoir des gros jets, pour avoir des gros stuff avec du 45% de reste partout. Des fois, voilà, il peut y avoir un nombre de tentatives énormes sur un FM, il peut y avoir vraiment de l'acharnement. Là, vous voyez, sur la FM, j'ai pas spécialement de chance, mais c'est la persévérance qui paye, hein, tout le temps, c'est la patience, la persévérance, il faut avoir un mental solide, ne pas se démonter. Et bah voilà, ça finit toujours par payer, hein, le travail paye, c'est comme dans tout, hein, ça marche comme ça dans Dofus, ça marche comme ça dans la vie. C'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Bon, bah, je suis sacrément content quand même pour ce G. Franchement, là, le G parfait 3%, ça me console un petit peu par rapport à toute la difficulté que j'ai eu sur cette cape. Donc on commence avec un brisage PA sur un Stalak, qu'un ami m'a demandé de lui faire. Et le G est vraiment pas mal, et là on voit le PA vient de tomber. Le PA vient de tomber sur une PAF 8, et on a un G qui est vraiment pas mal du tout. C'est du 15% d'eau, voilà, 20 fuites, la puissance qu'on n'aura pas besoin de remonter, parce que 28 ça lui convient, c'est pas mal du tout. Et donc on est parti là sur les paires écrits, on a un double crit qui fait extrêmement plaisir sur ce début de brisage, donc on a encore 88 depuis avec un G là qui commence à être plus qu'acceptable. Ensuite on tente l'over réécrit histoire de rebaisser à 35 parce que 33 ça fait un peu crade, et là massacre, on dégomme 36 depuis. Et finalement, c'est sur la 7ème que ça passe. Donc voilà, bah ça bouffe beaucoup de puits, mais c'est un petit peu nécessaire pour avoir un G propre, parce que c'est un peu dommage de briser un PA pour avoir du 33 sur 35 récrit. Donc, bah suite à ça, je rebaisse. Là, il faut une rune qui pèse 2 pour rebaisser. 1 ou 2, alors là, je suis en train de choisir la rune que je vais prendre, je pense. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais aller en chercher une dans mon inventaire qui soit correcte. Ou alors, ah oui, non, c'est parce qu'on voulait faire un over vitalité, d'accord. Donc auquel cas c'est tout à fait adapté de mettre de l'exovita pour baisser l'over, ce qui passe, nickel. Donc là on se retrouve à 15 de vita sur un G qui est pas mal du tout. Bon voilà, juste la puissance, certains auraient préféré remettre la puissance à 30, ce qu'on aurait pu faire, hein, relativement facilement avant de partir en over réécrit, mais bon voilà, ça lui convenait. Donc après ça nous laisse quand même 15 pavis. 15 pavis, c'est pas mal du tout. Là pour l'instant ça passe pas des masses, voilà, on monte à 30 et bon, on peut espérer un 45, un 60 éventuellement, et le 45 passe, et voilà, ce sera un 45, on a quand même un G qui est pas mal du tout, hein. 45 de vitalité, ça correspond à 1,5% de res en plus, voilà, donc c'est 9 depuis, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout, et je crois que le client là était tout à fait content, enfin client, voilà, ami client.
Ensuite, on fait quoi? Bah, on brise encore un PA sur un Stalak avec un autre pote. Avec un G qui est vraiment pas mal à la base là. Hein. Je pense d'ailleurs un G sur lequel beaucoup de personnes n'auraient pas brisé le PA. Parce qu'on est sur quelque chose. Bon, là, on peut considérer ça comme du near perf. Hein, c'est-à-dire. On peut pas passer une pub puits sans passer en over, on peut pas passer une par écrit sans passer en over avec un PA et le reste perf, donc c'est vraiment du gros G. Cependant, ça fait quand même quelques temps qu'il était en HDV son item et il n'arrivait pas à le vendre. Alors là, je tente une petite récrit, ça fait tomber la puissance et succès crit sur la puissance. Alors là, le G commence à devenir vraiment dingue. On a repassé la puissance en perf, alors ça, c'est énorme coup de chance. Hein. Alors on aurait pu le laisser là et qu'il essaie de le revendre. Parce que là, du coup, le G, il est encore plus fou. Enfin, franchement, la chance là sur ces deux runes est incroyable. Et malheureusement, on peut pas tenter une part écrit, hein, parce que y a déjà le PA, donc ça ferait trop d'over. Donc voilà, on choisit d'être courageux et de continuer. Et alors là, du coup, on casse le beau G, c'est un peu dommage, mais je pense que ça aurait pu intéresser plus d'un de l'avoir avec le moins de réécrit PA, mais il avait tellement galéré à le vendre, je crois qu'il voulait vraiment briser le PA et s'amuser un peu. Donc voilà, c'est ce qu'on fait, et on a de la chance sur le PA, puisqu'il tombe assez vite, et le G reste encore pas mal du tout. Le problème là, c'est la fuite, les 18 fuites qui posent un petit peu, enfin qui sont embêtantes, parce que avec de la rune fuite en plus 1, c'est très compliqué de remonter, donc on y va en pas fuyer, on fait un petit over, voilà, vous commencez à connaître hein, cette technique qui est très efficace. Et ça passe relativement bien. Bon, les pafuis, elles dégagent quand même 12 de puits d'un coup, donc c'est assez onéreux en puits, mais voilà, on a pris un moins 24 de puits, et c'est tout à fait correct. Ensuite, là, la petite rune tacle pour rebaisser la fuite à 20. Hop. Ensuite, là, l'over réécrit qui cette fois passe à la première rune, ça fait vraiment plaisir, que je viens rebaisser avec une rune reste fixe, et on vient chercher ensuite le G-max en puissance, et là, on est sur du G-perf, avec encore 54 de puits, ce qui est parfait, ça nous laisse 9 tentatives de raise. Et c'est pas mal du tout, hein. Là franchement c'est un brise HPA qui se passe extrêmement bien, surtout que le Stalak dans le domaine des boucliers, c'en est un qui est relativement dur à FM comparé à d'autres, hein. Il y a quand même pas mal de lignes, des grosses lignes. Alors là j'imagine que je lui demande ce qu'on va faire avec le puits, qu'est-ce qu'il veut. Je crois qu'il voulait de la raise haut. Ben voilà, c'est parti, 9 raise haut. Parfait, même pas de gâchis de puits, rien du tout. On est nickel là. On est nickel. Et alors je sais plus du tout il y a combien de pourcents qui sont passés. Je vais revoir ça avec vous. 1% déjà, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un deuxième qui vient? 2%. 2% perf comme ça, c'est franchement. Là on est quand même sur du gros G, hein. C'est pas le genre de truc qu'on voit tous les jours sur Instalac. J'en ai vu un qui a été fait en 3% R sur du perf. Qui a été vendu à 170 millions, je crois. Mais c'est quand même très rare. Hein. En tout cas, là, on est sur du très très bel item. Très beau G, très belle réalisation. Je ne sais pas s'il en a fait d'ailleurs, il faudrait peut-être que je le recontacte, parce que moi, ça m'intéresserait bien de le récupérer, ce G. Parce que la menoture, hein, c'est un item qui se fait vraiment bien en 4%, on en voit énormément. Il y a des items comme ça passe bien les 4%, et d'autres, c'est beaucoup plus rare, mais... Mais alors je sais pas exactement c'est dû à quoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui les FM qu'on en voit plus qui circulent dans le commerce? Est-ce que c'est parce que vraiment de manière intrinsèque l'item a plus de chances de passer les 4% pour une raison un peu mystique? C'est pas toujours facile à dire. Il y a par exemple l'amulette de Chocotte aussi hein, qu'on voit beaucoup en 4%, on voit du 5%. Valet Vénard pareil, mais ça je pense que c'est des items de sang qui sont très utilisés. Donc y a beaucoup plus de gens qui font de la FM dessus, et il y en a beaucoup plus qui cherchent les gros G, ils savent que ça va se vendre relativement facilement, qu'il y a beaucoup de gens qui les recherchent. Donc je pense que ça joue aussi, et c'est pas évident de savoir si c'est uniquement ça qui explique le fait qu'on voit plus de gros G, ou si vraiment l'item les passe plus facilement. Alors ça c'est libre à vous d'exprimer votre opinion là-dessus dans les commentaires. Alors ensuite, là on a du perf agi, perf sagesse, par contre le 345 vita est pas fou, et bien sûr c'est là-dessus que le PA repasse. Alors voilà, là on a à nouveau un G avec bon, un petit over de 1 d'AG dans les cas là, ça passe très bien, vous voyez la rage qui passe direct. Ensuite on retire un d'AG de l'initiative. Alors là vous voyez, malgré l'over AG, j'ai perdu du reliquat, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est relativement rare, mais quand il y a un petit over et qu'on tente de le casser, bah, des fois on tape dans le puits sans taper dans l'over. Donc là voilà, j'ai perdu un de puits à cause de ça, bon ça arrive, hein. J'avais pas vraiment d'autre manière de faire. J'avais pas vraiment d'autres manières de faire. Et donc là, 78, ça nous fait 13 tentas,
tout pile 13 tentats sur les raises, ça c'est pas mal du tout. Sur le jet là qui est bien propre quand même. Hein. Bien propre. Donc c'est parti. 2, 3, 4%. Ah, là je croyais à fond en 5%, mais bon, 4% c'est déjà pas mal. Voilà, sur ce jet qui est pas mal du tout. Et le PA enfin qui repasse, voilà. Donc c'est fait pour cette ménoture avec un 4% sur du jet qui est vraiment propre. Sauf retrait PA, parce que voilà, c'est pour mettre sur des classes qui n'en ont pas. J'en ai d'autres hein, qui sont à 4% retrait PA. Ça peut faire un brisage sympa derrière. Hop, la petite vitalité qu'on passe en over. Hop, on redescend. L'intel 58-68. Alors, selon les FM que je fais, soit je me contente de trucs type 68, soit ce que je fais de plus en plus maintenant, je vais vraiment chercher les perfs, donc là je serai monté à 70 quoi. Je pense que maintenant sur les FM que je vais faire, je vais être encore plus exigeant sur les G. Donc bien sûr la sagesse par exemple, bah, 38 ce sera 38, ce sera accepté. Mais pour les lignes où je peux faire de l'over et rebaisser ensuite, voilà, ce sera peut-être plus intéressant. Et on finit avec un G propre, voilà, 1% feu PO. Du coup, bah, j'ai pas le record, donc on sait pas grave, on se retrouve ici là pour quelque chose d'assez osé pour le début de la vidéo. C'est un arc corrompu que j'avais fait, alors je crois que je l'avais déjà fait dans une vidéo, hein, celui-là je l'avais fait en vidéo. Avec un G extrêmement propre, hein, comme vous le voyez, il manque 2 sagesse, 1 vita, tout le reste est perf, et 1% terre. Sauf que 1% terre, je trouve que c'est un peu léger, donc l'item comme ça ne m'intéresse pas tellement, et je vais tenter un PM. Alors si on a un PM qui passe sur ce G, c'est juste incroyable. Et bon, ça faisait un moment que je voulais que je le gardais un petit peu sous le coude, et je me disais, allez, je vais tenter le PM, et aujourd'hui c'est parti. Bon allez, j'y crois à moitié, mais non. Mais putain, mais... Bon, j'ai rien à dire, je vous laisse, je sais plus quoi dire là. Franchement, je m'y attendais pas trop. C'est plutôt propre, hein, la petite rune qui passe direct. Bon bah du coup, je vais partir en Idas, j'ai un client qui m'attend. Waouh. Waouh, il va falloir que je me calme. Bon, voilà, pour ce petit début de vidéo, putain, mais... Ok. Ok, on part là-dessus, sur ce petit PM. Allez, next. Pas de modification sur le puits. Ok, la sagesse va repasser à 30. Et le PM tombe, c'est pas mal. Ça aurait pu se passer bien moins bien que ça. Donc, plus 81 là-dessus. Alors, là, il va falloir réfléchir à ce qu'on fait. Les repos, je vais les laisser à 29. Je pense que là, c'est... Ou alors, j'essaie de faire un truc propre et je pars en over dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux espérer? Qu'est-ce que je peux espérer? Je ne sais pas. Bah, dans la mesure où, de toute façon, il manque les dommages, le G n'est pas très beau, donc ce sera un item bouche-trou, on va dire, mais ce sera pas un bel item pour PVP. Donc, je vais laisser les repos à 29. Je vais même laisser la vitalité et l'intel comme ça, tant pis. Tant pis, on va juste essayer d'aller chercher le... Un bel over réécrit avec tout le puits qu'on a, puis voilà quoi. Alors là, j'ai pris un moins 18 sur la sagesse, c'est un petit peu triste. Ensuite, le tacle, et puis on va partir sur les réécrits. Hein. Hop, moins 8. Ça me laisse 56. Je vais même pas avoir assez de réécrits, tiens. Je vais aller en acheter tout de suite, ça m'évitera de m'interrompre une fois qu'on sera parti. L'intel, je vais la laisser à 49. Hein. Je pourrais passer à 52 et redescendre à 50, mais... J'ai envie de tenter un gros over réécrit. D'autant qu'il y a une petite subtilité que j'avais pu étudier sur la molette du Strigide, hein, qui fonctionne un petit peu pareil avec des malus, et on va pouvoir en parler dans la vidéo. Je me rappelle, ça avait été tout un débat avec certains abonnés, on avait fait des calculs, on avait essayé d'expérimenter pour bien comprendre comment ça marchait. C'était assez intéressant, j'ai appris des choses sur la FM à ce moment-là. Parce que la FM, voilà, il y a beaucoup de choses que tout le monde connaît, tout le monde sait comment ça marche, mais sur certains cas un petit peu litigieux, qui arrivent peu souvent, eh bien ça peut être un petit peu plus subtil. Ok, là je pense que j'ai assez de réécrit. Hop. Oh, chiant ça. Hop là, zouf. 56 depuis. Bon, je pense pas m'être planté, j'ai quand même pris le temps pour compter là. Oh, décidément. C'est chiant cette calculette là. Alors, 56. Donc en gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'interrompe si je vais passer en positif. Si j'arrive à moins 1, il faut que je stoppe et que je recompte différemment le puits. Hop, 56. Je pense que j'ai quand même lancé un fusionné tout. Et il faut que je regarde bien si j'ai des succès crit. Alors, un succès crit.
Je regarde à la fois les succès crits et que je dépasse pas les zéros réécrits, mais bon, a priori là j'ai le temps. Pour l'instant, j'ai compté un seul succès crit. Oh non, on a quand même une belle tentative là, hein. Ça fait beaucoup de pluie d'un coup sur un jet qui était quand même relativement correct. Hein. Bon, c'est pas aussi beau que ce que j'aurais espéré, mais ça fait toujours plaisir. Alors je pense que j'aurais même pas besoin de m'embêter avec le passage en positif, on va rester quand même en dessous des zéros réécrits. Allez, j'en ai une dernière pour le petit succès. Voilà, bon, je m'étais pas planté dans le puits, c'est déjà une bonne nouvelle. Et bon, on a un truc. C'est pas super utile, un item comme ça, je sais pas ce que j'en ferai. Bon, voilà, en tout cas, c'était. Si le PO était repassé en succès crit, ça aurait été sympa, mais là, c'est l'occasion de voir un petit peu de la forge de magie originale. Voilà pour cet item. Allez, je vais faire ça. Yes! Bon, dommage que ce soit pas passé, parce que du coup, ça bouffe du puits. En tout cas, le PA est tombé et c'est. Dommage que ce soit pas passé, si j'avais eu un succès neutre, ça aurait été très bien, mais c'est quand même correct. Hein. Alors, du coup, j'ai moins 21, plus 100. Alors là, il va falloir la passer. Hein. Elle est dure, elle est grosse, mais je parle pas d'autre chose que des runes, bien sûr. Ok, ça va. Moins 21. Le tacle, 4. Il a 4 runes. Bon, je pense que ça va pas passer en plus 4 runes. Ce serait dommage. Ah, la vache, ça pique encore. Moins 30. J'ai peur de ce qu'on va pouvoir faire. Hein. Il faudrait vraiment qu'on ait de la chance, là. Moins 15, bon, en tout cas, ça passe. On aura peut-être 1% R, on va voir. Ok, ça passe bien là-dessus. Moins 12, il nous reste 11, soit une tenta. Et ça passe pas. Plus de puits, avec 5, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre 2 récris par exemple. Il en a des récris. Réfeu, non, bah je dois... Si. Non, réperfeu. Moi je dois en avoir des récris moi. Je dois en avoir, hop, je vais lui mettre les miennes. Oh, ça passe même pas ça, tant pis. Est-ce qu'il veut tenter un PA? Petite tentative à 97 depuis, c'est correct dans l'ensemble, hein, on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être finir par la vitalité, à moins que je fasse autrement. J'hésite un peu, bon déjà il y a l'intel qui va remonter à 60 piles, ça c'est très bien. Ok, je vais déjà remettre la vita. Je vais la remonter comme ça, hop. J'ai moins 3. Hop, parfait. Parfait, et on terminera par la chance. Moins 10. Ok, parfait, on arrive à 350. Ça m'aurait embêté qu'il y ait un moins 5 là, mais des fois il y a le moins 6. Alors parfois ça fait chier, mais parfois ça arrange. Et là, c'est nickel. Hop. 3, moins 9. En bas, il n'y a pas grand chose à remonter, hein. Il y a juste les deux cris. Ça ne crit pas cette fois-ci. Je viens d'aller faire le stock de runes à nouveau là, mais je crois que les répous là, j'avais pris 1000, on est déjà à 400. Peut-être que j'aurai même pas de. Enfin, peut-être qu'il va falloir que j'aille en reprendre 1000 quoi. Moins 3 ici. 67, moins 3, 64. C'est parti. 64 runes. Allez. Ok, ça commence plutôt bien. Bon, c'est normal, hein, les premières passent toujours mieux de toute façon. J'ai bien envie d'essayer avec des pas répous, tiens. Comme je l'ai pas encore fait depuis le début de la vidéo. Donc là, il me reste 53. Je calcule pour arriver à moins 1, parce que, en gros, si vous allez de moins 1 à 0, ça pèse 2, mais si vous allez de moins 3 à 0 avec de la pas répous, elle pèsera 6 aussi, donc il faut vraiment viser le moins 1, sinon vous perdez énormément de puits. Et vous perdez donc des tentatives. Alors, on va essayer, hein. Je vais essayer de pas m'embrouiller. Alors, 53. Et là, chacune pèse 3. Alors, théoriquement, je peux donc en passer 17, je pense. Je sais pas, 3, je vérifie. Ouais, 17. 17, 17. Donc, on va faire ça comme ça. On va voir si ça m'amène à moins 1. Et ça passe. J'ai pas eu de crit avant, non. Eh, ça a l'air de mieux passer, hein. Je sais pas si c'est... Oh non, c'est discutable, hein. Pareil, dès qu'on arrive en dessous des moins 4, moins 5... Oh, ça fait plaisir. Ok, donc là, j'avais encore 3. Alors, j'ai utilisé, en gros, 14. Ça compte comme si j'avais utilisé 14 runes qui pèsent 3.
Ce qui nous fait donc x3, 42, moins 42. Et j'ai donc 11 tentats, enfin 11 runes restantes, ce qui, divisé par 2, me laisse 5. Eh, décidément, putain, faut compter pour faire de la FM1. Allez, j'en ai 5, normalement, si je me suis pas loupé, là, ça me fout pas de ligne rouge. Ok, bon, ça passe pas, mais en tout cas, ça ne me foire pas mon truc. Ok, c'est nickel. C'est nickel. Et, bah, je suis sûr que là, je vais avoir un PR, un PM, et ce sera plié. Hop. Allez, franchement, je le mérite, là, je vous avouerai que si le PM passait, ce serait pas mauvais pour mon petit moral. Oh, yes. Yes, yes, yes. Ah, juste après que j'ai refait le stock de runes. Et c'est sacrément propre, hein, regardez les belles petites lignes. Là, on a 350, on a 60, on a 60. Bon, il y a le 39 sagesse, hein, mais ça, j'y peux rien, bien sûr. Et là, on a un over de 19. Et bah, c'est marrant, tu vois, c'est le celui où j'ai tenté avec les parts époux qui est passé. Bon, a priori, ça n'a aucune incidence, hein, mais on a pu voir, en fait, que bah finalement, ça change pas grand-chose. Alors là, on se retrouve pour tenter quelque chose de très, très osé. Alors, on a une bague l'ours. Bague l'ours qui a été faite en brisage PA, et vous voyez le G, il est juste incroyable pour cet item sans puits qui est pas évident à FM. On a quelque chose de presque perf, alors il manque 4 soins, c'est un petit peu ça que dommage, et avec 2% rester. Alors moi j'aurais été chaud pour lui acheter ce G, mais il veut pas le vendre, et il préfère tenter, donc ça me fout un peu les boules parce que ça m'aurait bien servi pour certains modes terre. Mais bon voilà, et la question c'est si on tente PO ou Passo, et il a choisi Passo. À la base il m'avait demandé PO, mais finalement on fait Passo, bah si on a un crit là-dessus... MDR. Oh mais non! Oh putain! Oh putain, la vache! Mais c'est quoi cette chance? Il arrive quoi sur Defus en ce moment? Putain, je passe déjà le corrompu PM hier, et là je balance une passo. Une passo, ça pèse 30 depuis, hein, franchement. Bah moi je dis go mettre saut, hein. Parce que bon, franchement, 4 de soins ou 7 de soins sur 8, c'est un peu pareil, c'est pas perf, quoi, mais... Waouh! Oh la vache, le crit, quoi! Le crit, incroyable. Incroyable, bah putain, je suis content d'avoir pu vous filmer ça. Go PO, bah je pense qu'on va... On va PO, du coup, hein. Moi, je suis chaud pour lui mettre une PO, hein, franchement, là. Ça peut être sympa si ça passe, hein. Même si... Moi, je serais d'avis à tenter l'assaut, hein, franchement. Bon, il veut pas. C'est son item, hein. Il fait ce qu'il veut, bien sûr. Waouh, waouh, c'est beaucoup trop d'émotions là. Je m'attendais pas vraiment à voir le crit. Bon, bah très bien, ça nous fait une petite pause pour le Stalak. Je vais aller refaire le plein de runes là, hein, j'en ai plus. Waouh, assez fou ce qui vient de se passer. Bon bah finalement il est revenu sur sa décision et on va tenter le PO, bah c'est bien, j'aime les mecs qui ont des couilles, c'est pas mal. Moi j'ai déjà passé une bague l'ours 3% PO, mais le G était vraiment dégueulasse, c'était le premier exo que je passais. Là franchement si on a le PO qui passe, bah allez je tente. Ce serait sympa franchement, mais là il y aurait un problème parce que j'aurais beaucoup trop de chance, ce serait inquiétant. Perdi, ok, qui font tomber le PA, mais là franchement on va pas aller très loin. Hein. Plus 85. Alors, la fuite. Hop, moins 12. Les réécrits. Alors, je dois arriver à 35, donc il faut que j'arrive à 20. Donc, je vais en mettre 2 comme ça. Moins 2. Et là, il me faut des parts écrits. Alors, je suis parti, je vais aller en chercher. Je suis un peu con, j'aurais dû en faire un plus gros stock avant. Ça m'aurait évité de m'interrompre. Ça aurait été mieux, mais bon, tant pis. Hop. Écrit, on va en prendre les 200. Je sais pas si. Enfin, là, je vais terminer, je pense, les 30 runes en dessous. Et si j'ai pas de G qui me convient, je pense que j'arrêterai pour cette vidéo sur le Stalak. Et je ferai un petit peu de choses après. Je pense que je tenterai une cape matelas CPO. Ça peut être sympa aussi. Alors, le Stalak, hop. J'étais donc au par écrit. Allez. 2, ok, j'ai un crit, je vais peut-être les remonter directement, hein. Allez, je vais y aller, jusqu'à 35, ok, ça passe quand même très très bien là, 1, 2, 3, 4, j'ai moins 24 depuis, pour avoir remonté à ce point les récrits, c'est franchement, franchement chouette. La fuite, oh le critique, moins 30 ici,
Eh bah, ça va peut-être le faire. 21. Alors, normalement, j'aurais aimé passer la puissance à 30 avec un petit over. J'aurais d'ailleurs dû le faire avant de m'occuper des récris. Je suis un peu con. J'ai moins 12. Il reste 9 depuis. Ce qui veut dire que je peux tenter une rune puits. Putain, j'aurais dû le faire avant. Enfin, non, j'aurais pas dû le faire avant parce que je pouvais savoir que ça allait marcher comme ça. Mais je vais tenter une rune. Putain, mais encore une fois, je vais rechercher des runes. Bon, je vais tenter une rune puits pour tomber à 7. Dans l'espoir où ça passe, ça me montrait à 30. Et j'aurai une tenta res. Ce qui est franchement pas énorme, hein, mais on va faire avec, malheureusement. Allez, rune puits. Hop. Tenta. Bon, franchement. Si j'ai un gros coup de chance, je peux passer l'appui, avoir un succès crit sur la raise et l'autre passer un succès neutre et j'ai mangé 2%. Hein. Mais là, il va falloir quand même une sacrée chatte. Bon, allez, on y croit. On croit complètement. Alors, une rune puits qui ne passe pas sans surprise et donc j'ai une rune raise feu. Ah, dommage. Quel dommage. Je vais tenter un PA du coup. J'ai un PA sur ce G. Je pense que je vais balancer là les grosses runes directement, je vais essayer de faire tomber le PA. Allez, c'est parti. Ah bah. Parfait. 85. Ouais, j'ai eu un petit coup de chance. Alors, je vais commencer par un overpuissance. Et puis après, voilà, c'est parti. Je vais chercher le perf là. 2, 3. Oh là là. Je sens que ça va bien se passer, ça commence très bien. Moins 18 ici. Et j'ai 4 d'over. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre une rune tacle. Je voudrais pas avoir une rune fuite parce que je vais la passer en pas fuite. Donc on va chercher la rune tac. Hop. Voilà, bon ça passe pas, c'est dommage, ça aurait pu me faire gagner un peu de puits. Mais en tout cas comme ça j'ai pas de perte. Je vais mettre les deux perdis à tous les coups, il va falloir que j'aille en racheter. Nickel. Moins 15, ok on a eu un crit. Enfin je déteste interrompre mes FM. Deux perdis il me faut. Alors, on me propose des abominables. Sandales minables déjà, loupé. C'est des abominables, et à tous les coups ça va pas être du perf, enfin, je connais très bien ce genre de message qu'on m'envoie 42 fois par minute. 36 sagesse. Ouais voilà, 36 sagesse, t'es perf, t'inquiète. C'est bon, on va en prendre 30 et comme ça, hop. Est-ce qu'on le voit venir? 34 sagesse. Non, je t'ai épié, merde, j'ai le. Oh, ça m'insupporte les gens qui m'envoient des trucs comme ça me fait perdre du temps. Bon, je vais pas répondre. Hop, on va régler le problème. Hop, voilà. Ah non, mais gros, je fais du social toute la journée, au bout d'un moment, c'est fatigant. Allez, moins 30. Ah, je le sens pas trop là, 22 restants. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me fais stresser avec... Non, là, on est bon, là. Tu veux que je recompte devant toi? Attends, là, il y a 10. Les deux dits, on a eu 45. J'ai eu un crit, là. Regarde. Oui, mais juste avant, là, j'ai fait tomber. J'ai 85 sur le PA qui tombe. Ensuite, là, j'ai 1, 2, 3, rune papuie, moins 18. Ensuite, là, je perds rien. Et là, j'ai 45. Moins 45. Passe 22. Moins 12 de la papuie. Ah, t'avais déjà mis le moins 15 avant. Ah, oui. Reste 10. Bon, je vais tenter l'appareil feu, si ça passe pas, je suis saoulé. Hein. Enfin, pardon, la riper feu. Allez hop! Non. Il me reste 4 là. Tente un PA. 2 depuis, on va tenter les grosses runes. Hein. Petite, oh putain. Plus 88. J'ai 90 depuis. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je mette une pafui et après je vais y aller à la pafui pour remonter à 30 de puissance. Ok, moins 12. Moins 12 et. Ah putain, puis il va falloir un over écrit aussi. Bon, ça va le faire. Hop, nickel, moins 6. J'y crois franchement à moitié, mais ça peut le faire. Là, il faut que je passe à 36 écrit. Aïe, moins 30. Moins 30, on va balancer une petite rune réo pour enlever l'over. Voilà. Ensuite... La puissance, oh ok, ça passe, c'est pas trop mal. Si j'ai un crit là-dessus, si en tout cas ça passe, j'ai deux tentas derrière. Ok, j'ai deux tentas repair. Il faudrait vraiment que j'en ai au moins une qui passe. Yes, bon, j'aurais vraiment aimé avoir un moins à 2%. Je croyais un peu aux 3% au fond de moi, mais
Là, je me rends compte qu'il va falloir que je pète encore un paquet de PA. Un commentaire à faire, toi? Continue. Ok. Continue à briser tes kamas. Ouais, mais c'est plus mes kamas que je brise que des PA, là. C'est vrai que c'est pas évident. Donc là, c'est le cinquième PA que je brise sur ce bouclier, quand même. Et bah, j'ai un truc qui est pas foufou. Hein. Alors, on sait tous comment ça va se finir. Là, sur la vidéo, là, je vais arrêter pour ce bouclier. Tente le PM. Mais je vais tenter un PM là-dessus, mec. Obligé. Obligé. Avec ce qui s'est passé sur le corrompu. C'est pas opti. C'est... Voilà, bon, on brise ton PA sur, sur Bruce. Ouais, allez, on se retrouve pour un brisage PA sur un de ses boucliers. A tout de suite. Bon, il n'y a plus rien sur l'item, mais c'est pas grave. On est donc sur du 100, moins 21. 80 de puits. On commence par les parépa ou remêler. On va faire un truc avec ça. Hein. Ouais. Mais faut y croire, mec. Vas-y. Regarde, j'ai eu 1% avant, j'avais un jet de merde au début. Des parépa. Pour peu qu'on ait un crit, ok, bon, moins 42 de puits, ça va, 42, c'est pas la moitié du puits, il nous reste largement de puits. Allez, moins 15, oh, ça va, il reste 23 de puits, on est ultra large. En plus, ça, c'est pas du tout un jet qu'on peut avoir sans brisage PA, du coup, t'es content, non? Non, mais en vrai, avec un peu de chance, on peut monter les raies, complètement, un reliquat, j'en veux pas. Ouais, moi non plus, attends, on va te monter ça aussi, hop. Allez, là on est déjà sur du moins 14. Bon, il reste 9. C'est nickel, non? C'est bon. Nickel. Réo ou Réter? Au choix, là tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas avoir les deux. Vas-y, va. Allez, boum, moins 6, il reste 3. On tente un crit là-dessus? Ouais, vas-y. Oh, dommage. Dommage, on a un petit moins 2. Super compliqué. T'en as déjà vu des écorces de Bruce Perm? Perf? Perf, non, jamais. Vas-y. Ou enfin, perf, c'est les mecs qui te disent perf et ils disent qu'il y a un 15 réfix, tu vois. Ça, c'est ouais. les perf low cost, quoi. Allez. Bon, faut dire que je suis très chanceux aussi en FM. Ouais, lui, c'est le plus gros mollo du monde, il te fait 15 exos à la journée. Pourquoi ça m'a pas fait ça sur mon stalag tout à l'heure, hein, j'ai perf? Bah justement. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme t'as pas passé de PA. Avant, t'avais beaucoup plus de probabilités d'en passer un. Non, je rigole. Hein. Vas-y, débranche mon casque, t'as raison. Merde. Fais gaffe que ça pète pas la connexion. Bon. Ok, on fait quoi? On le laisse ou on le pète? Bon. Moi je dis, on a qu'une vie. Hein. Bah vas-y, hein. Vas-y, c'est parti. Hein. Et il, me reste, il me restait un de plus en plus. C'est parti. Là, on a plus 1. Mec. Non, vas-y. Moins 2, ouais, bah là de toute façon on va aller au bout. Hein. Enfin, De toute façon, on était parti pour faire un brisage PA. On repart pour un deuxième brisage PA. T'as quand même une chatte, toi, mais ça. Toi, tu défies les statistiques, toi. Attends, j'appelle ma copine. Moins 6, hop. Bon, c'est allez, pas on va. Ouais, si, on va dessus, hein, clairement. Oh là 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 là. Tout va se jouer sur le ouais. L'esquive PA, concrètement. Plus 85. Sinon... Je la tryhard, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Y'a pas le choix, mec. Hein. Sinon on va avoir du 24. On va avoir un 4% sur 24. Ouais, mais moi, je dis, faut le passer. À 24, ça peut le faire. Avec la chatte que t'as, ça va passer en crit direct. Bon, bah voilà. Un commentaire à faire? Bah, repasse un PA. Hein. Je vais aller chercher... Le perf. Alors normalement avec des runes pod, alors merci aux abonnés qui m'ont appris ça, je ne le savais pas, avec des runes pod qui pèsent 2,5, on a du moins 13 vita, ce qui veut dire qu'on peut systématiquement aller chercher le 1, enfin le G-perf à 1 près. Donc là je peux aller chercher normalement le 250. On va voir ça. Non, on va pas voir. Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 24... Et si je me suis pas chié, je fais ça et j'arrive à 250. Allez hop! Magnifique. Bon, on a un demi de puits en plus, on s'en cogne un petit peu. Et après, c'est parti. Voilà, c'est beau d'avoir du perf comme ça. Moi, je préfère moins 9 ici, même si on défonce le puits. Mais de toute façon, comme le PO ne va pas passer à la fin, on s'en fout. Techniquement, moins 10. Hop, la fuite. Secret. Aïe, 24,
30. Allez. Moins 10. Ah bah il me reste 15, je vais pas aller loin avec ça. Bon, cela dit, le jet est bien soigné. C'est parti pour eux. Je vais pas faire comme ça, j'ai dit qu'il valait mieux que je mette ici que j'aille à l'unité. On guette bien sûr les crits, j'ai un crit là pour l'instant. Ouais, ça va en vrai. Bah après, là, on est sur du moins 7, ça va quoi. J'en ai donc encore une. Ok, moins 1. Et si le PA passe, bah ça part en PO. Ok. T'as mis ta rune de signature? Elle est déjà signée, t'inquiète. Vas-y. Ah, enfin, je peux les mettre. Putain, ça a bugué avant. Et bien sûr, c'est maintenant que ça tombe. C'est classique. Plus 84. Bah alors là. Parfait, hein. Parfait, parfait, rien à redire. Bah, on a même pas les runes pour passer les raids à 10. Je lui dis d'aller en acheter. Merde. Hop. Va acheter des raids. Oh. N'aurait pas assez pour aller au bout. Allez, allez. Franchement, dommage, parce que quand on voit le G qu'on avait à la base, on se retrouve avec un truc bien foiré ici. C'est là que vous comprenez que bah, le brisage PA, c'est quelque chose qui est quand même assez approximatif quand même. Et il faut pas se lancer dedans si on n'a pas la masse de Kama qui peuvent accepter ce genre de perte derrière. Bon, ça va, Edouard, il a... Enfin, Gulu, il a de quoi faire. Hein. Il est pas du genre à pleurer pour 10 ou 20 millions, mais là, c'est quand même dommage. Je sais pas, il a eu pour... Enfin, il m'a dit que le bouclier, là, il l'avait eu dans un échange contre d'autres items, donc il s'en fout un peu. Mais bon, de toute façon, enfin pas de regret, parce qu'en 14%, franchement, le PM comme ça sur du 14%, c'est pas top. Et là, putain, quand on voit ce qui reste dessus, c'est vrai que c'est un petit peu ridicule quand même. C'est un peu ridicule. Je crois qu'il y aura d'autres trucs qui vaudra contente après, peut-être des exo-PO ou un VO, ce genre de trucs. Ça pourrait être sympa en vidéo, surtout si ça passe bien sûr. Hop, ça je m'en fous. Allez! Il y en a beaucoup qui savent pas, mais maintenant on peut faire toutes les runes d'un coup hein, dans ce genre de contexte. C'est tout à fait opportun d'utiliser ça fait gagner du temps à tout le monde. Hop, allez, ah bah ça commence bien. 6, je vais remonter à 7 déjà. Ok, donc là j'ai moins 18 sur le truc là. Ensuite la Vita. La Vita, je vais y aller à la Pavi, et ça va m'amener à un beau jet en Vita, mais avant je vais remonter l'esquive PM quand même. 2. Hop, moins 7. Ok, on aura du 148 Vita, c'est pas mal du tout. Du crit en plus, qui fait plaisir. Ok, moins 3, parfait. Bon, je vais monter les esquives PM et les raids à 8. Et après, je tenterai le dommage mêlé, c'est ça qui me fait un petit peu peur, bien sûr. Si le dommage mêlé passe ici, on peut avoir un beau jet à la fin. Ok, yes! Nice! Ok, là on vient de sauver on vient peut-être de sauver le FM, et peut-être qu'on aura quand même une tentative propre. Là j'ai moins 13. Moins 7. Moins 19. 21,4 depuis. On nous fait 3 tentats pour les raids. Est-ce qu'on a quelque chose? Parce que c'est vrai que ça m'arrive un petit peu trop souvent de laisser du puits en trop. Par exemple, sur une des dernières vidéos que j'ai faites, j'avais un Stalag, je tentais un PA sur un GPF alors que j'avais 4 de puits. J'aurais dû mettre 5 de Vita avant de tenter le PA. C'est très con de faire ce genre de choses et quand on s'en rend compte après coup, on est un peu ridicule. Donc là, bah franchement, bon malgré tout, je peux pas faire grand chose du puits restant. Je peux tenter un over Vita. Je peux tenter un over Vita. Parce que si ça passe, après ça m'amène à 163 et je pourrais redescendre à 150 piles avec une rune pod. Ça peut être un bon plan de faire ça, mais ça peut nous permettre d'aller chercher du GPerf. Pour passer à 150 piles avec une rune pod. Sachant qu'il y a 4,4 depuis. Voilà, une pavie, hein, on est d'accord. Je tente une pavie et de toute façon, je garde mes 3 attentats derrière. Ok, elle passe. Donc, moins 3. Et là, je vais mettre une rune pod et normalement, je tombe à 150 piles. Putain, mais ça marche pas, cette daube, ça me saoule. Bon. Est-ce que si je la mets depuis ici, ça marche?
Ce jeu me fait vriller complètement. Ah bah d'accord, si j'enlève le bouclier, par contre ça met les rune pod, mais il n'y a rien qui marche ici. Bon, c'est pas grave. C'est Dofus, hein, on connaît. Cette recette ne donne rien. Quand je vous dis qu'il est foiré ce jeu, je vais le réinviter. Hop. Inviter à face au magé. Arrête de bouger. Hop là. Bon, restons calmes les amis, tout va bien. C'est pas de panique, c'est juste un jeu qui bug une fois sur deux quand on veut tenter quelque chose. Surtout dans la FM, hein, quand on va sur les trucs un peu limite comme ça. Y'a plus rien qui marche. Hop. Donc, ma rune pod, enfin, j'espère que ça va pas flinguer mon puits. Bon, normalement, y'a pas de risque. Voilà, et là, je tombe à 150 piles. Là, donc, vous voyez, petite technique. Petite technique pour aller chercher vraiment les GPR pour les maniaques comme moi. Et on perd pas de tenta sur les restes, donc on en a 3. Allez, c'est parti. Franchement, si on a un petit 3% là-dessus, on va pas rêver, mais... Les 1, 2 et 3. Oh putain, quel dommage. Quel dommage de s'être embêté à remonter le jet pour ça. Bon, on sait comment ça va se finir, hein. Ça part en PA, là, clairement. Si ça casse le PA, c'est dommage. Ça n'a pas passé. Ça me fait donc plus 100, moins 21, 80 depuis. Et là ça picote quand même. La part EPA qui ne passe pas. C'est pas grave. Je vais y aller... sur un tout petit overagi, je pense. Ouais. Hop. Est-ce que je vais chercher les 61 ou est-ce que j'en reste là pour l'instant, moins 6. 74 depuis. Ah non, il y a quand même pas mal de choses à remonter. C'est un luxe que je ne vais pas me permettre pour cette tentative. Tant pis. Ok. Là, on a du critique qui met plutôt bien. 68 depuis. La sagesse maintenant. Hop, ça crit. Décidément, là, on n'est pas trop mal parti. Bon, il y a quand même les raises hein, qu'il va falloir remonter. Il y a pas mal de... Il va falloir en passer pas mal. Est-ce que j'y vais sur de la pas-répa ou est-ce que j'y vais sur de la répa? On va voir ça. Là, je vais passer ça. Oh, ça crit. Et là, on commence à avoir une tenta qui est plutôt solide. Et les répa, je vais les mettre une par une. Oh, c'est pas mal du tout. Moins 7 ici, 61,6 depuis. On a vraiment là quelque chose de très sympathique. Et peut-être que ça va se terminer par une belle chose là-dessus. Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 48. J'ai 13,6 depuis. Donc je peux utiliser un depuis sur une rune agilité. Et après je vais tenter deux runes de reste-feu. Ok, ça ne passe pas, donc j'ai 12,6 et je peux tenter deux réperfeux. Si je pouvais avoir les deux, ce serait vraiment génial. Allez, une. Allez, au moins une, s'il vous plaît. Ok, bon, a priori, je me suis pas trop planté dans le puits, c'est cohérent. On a soit 0,6 et plus 94. Bon, alors là, quand je vois les raises où elles sont, j'y crois pas beaucoup. Alors, en revanche, ce qui est bien, c'est que la vitalité, là, il y aura pas besoin de la retoucher. Bon, on va voir ce qu'on fait. Ok, on a du critique. Deux runes qui ont pris leur poids. 3, moins 18. Bon, c'est correct pour un début. Les répous. Je pourrais pas les monter à 35, je vais aller à 34. Parce que là, c'est un peu... c'est un peu compromis. Je vais monter la J. Hop, ça crit. Chouette. La sagesse. Est-ce que j'y vais maintenant à 39? Oui, de toute façon, il va bien falloir la passer. Et on a du double crit, ok, c'est pas mal. Est-ce que le FM Infernal va se terminer là-dessus? Ce serait bien. Bon, alors pour les repous, je suis quand même bien embêté. Je vais les garder pour la fin, je verrai ce que je fais. En attendant, on va y aller sur le critique, moins 10. Les esquives PA, bien sûr. Moins 14. Bon, les res, là, il y en a pas mal à remonter. Hein. Ça va me coûter assez cher, je pense. Ok, on a un petit peu de critique, c'est pas mal. Je vais y aller de manière alternative comme ça. Ok, j'ai deux qui ont coûté leur poids. 3, 4 et 5. Moins 30. Ok, il me reste 22,6 depuis. Et là, je vais balancer deux runes comme ça. Allez, 1, 2. Donc, moins 12. Et ouais, j'ai le cœur qui bat là, tellement j'en peux plus de ce FM. Ok, donc j'ai 10,6 depuis. Ce qui veut dire que je vais avoir une tentative pour de la raise. Et qu'il va me rester 4 de puits, donc au lieu de laisser 4 de puits inutilisés, je vais tenter les répous. Alors j'aurais peut-être pu mettre les répous avant, mais je n'étais pas sûr que j'aurais du succès comme ça, donc voilà, ça aurait pu se passer autrement, auquel cas ça aurait été peut-être mieux que je garde le puits en rab.
Donc, pas de regret. Allez, j'ai deux tentats là-dessus. Si je peux passer à 35, c'est vraiment chouette. Ok, bon, ça me laisse donc une tentative. Alors, j'étais parti à la base sur de la res feu. Peut-être que ce serait mieux de mettre de la res air. Alors, pourquoi changer comme ça en cours de FM? Parce que, entre-temps, j'ai eu l'annonce de la mise à jour 2.47 avec le nerf des mules d'eau et notamment les res. Hein. Ils font maintenant 8% de res au lieu de 11% quand on prend un mule d'eau bi-élément. Donc je vais peut-être me retrouver avec du manque de res air dans certains de mes stuffs, et je pense que res air sera plus intéressant que le res feu. Allez, si elle pouvait passer, ça me ferait un bien fou. Non mais c'est tellement classique. Tellement classique. Bon, qu'est-ce que je fais? Il me reste encore 125 runes à faire derrière. Est-ce que je tente un PA? Est-ce que je laisse comme ça? Je sais pas trop. Oh, ce serait quand même dommage de s'arrêter là après tout ce qu'on a enduré. Mais que je tente un crit. Enfin, je vais tenter un PA. Bon, où j'en suis. Par contre, si j'ai un PA là-dessus, je refais. Bon, j'aurais vraiment les boules pour les 34 époux qui m'empêcheront de dormir pendant un moment, mais bon, ça ferait quand même plaisir. J'hésite un petit peu. Que juste en voulant signer, hein, mettant une petite rune avec une signature juste pour signer, j'ai déjà eu un petit plus PO qui est potentiellement intéressant, donc on va voir si on peut en faire quelque chose. Alors, hop. Petite sagesse là. Alors j'avais combien? J'avais 6 plus 51 moins 10. Et là on a moins 18. Ok. Alors est-ce que la vitalité va bien se passer? C'est un petit peu ça la question ici. Moins 6. Bon, idéalement je préfère réviser le puits PA hein, sur ce genre d'item. Mais si on peut avoir quelque chose comme ça, pourquoi pas. Alors là j'ai moins 10. Il reste combien de puits? 13. Ouais, bon, on va pouvoir mettre deux tentarez. Hop, et il me faut des rez hauts là-dessus. Des rez hauts. Alors, c'est parti. On peut en mettre deux. Il y en a donc une, et on va tenter un exo invoque avec. Tenta exo invoque. À moins que. Bon, ici on a 84 de puits, ça peut peut-être donner quelque chose. Je vais devoir commencer par la vitalité. Alors je pourrais soit vraiment forcer sur la pavie, soit y aller à la ravie. Bon, la pavie à ce stade, ça a quand même peu de chances de passer, donc on va y aller sur la... On va y aller plutôt à la ravie, en espérant que ça passe assez vite. Ok, moins 20. Il me faudrait un truc qui pèse 5 pour enlever ça. Malheureusement, j'ai pas ça sous la main. Les runes, dommage, il faut que je les garde. Je vais donc y aller à l'initiative. Hop, en essayant... De récupérer peut-être un peu de puits. Ouais. Ah, j'aurais aimé tomber sur 400 tout pile, c'est pas grave. Je vais balancer les deux hauts maintenant. Moins 13, moins 28. Hop. Là, passe ça. Est-ce qu'elle passe? Oui. Moins 9. Bon, il me restera pas grand-chose à la fin. C'est écrit, ça ferait plaisir. Voilà. Nickel, il suffisait de demander. Moins 10, j'ai donc 17 de puits restants, peut-être 18 si j'avais un petit peu de résidus d'avance, ce serait pas étonnant. J'ai pas compté de manière spécialement rigoureuse. Ouais. Alors. Combien on a qui passe là-dessus? J'avais effectivement un tout petit peu de rate. Bon bah on va retenter encore les raises à distance là. Pourquoi pas. Si on a un PA. Ouais, on a le PA. Bon, ici la chance elle est à 75, ça m'embête un petit peu. Je me contenterai certainement pas d'un 95, en revanche un 98 ça peut peut-être passer si le reste est très clean. Donc on va essayer de forcer le passage à 78, même si à la pacha ici c'est un peu complexe. On va essayer, c'est parti. Eh bien ça passe plutôt bien. Ça passe plutôt bien. Alors j'étais à combien là? Je devais avoir bon là de la poussière depuis. On a 102. Moins 5 et moins 6. Ok, 91 de puits ici. Alors je vais à nouveau devoir faire un over vitalité. Qui passe tout de suite, c'est pas mal. Sur quoi je peux le récupérer? Pas grand chose. Hein. Je pourrais essayer de passer à 81. Mais ce serait peut-être plus du gâchis qu'autre chose. Donc on va pas faire les fous. On va enlever l'over. Hop. Va bien tomber à 400 tout pile. Eh bah décidément, j'aurais jamais ça, c'est pas grave. Je vais tenter la pas de haut tout de suite. Oh, le critique. On a peut-être une très belle tenta qui se profile là. Ok, là j'ai moins 6.
Et un crit. Ok, 75. 75, ça nous fait donc 12 tentailles. On a 3 depuis en rab. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter du crit sur les runes chat. Ou alors je peux tenter une pacha. Je pense que 3 crits sur une 3 tentats de SC sur des runes chat, c'est plus intéressant. Ça a plus de sens d'arriver. Alors que la pacha, ça, j'y crois vraiment pas. Alors on va essayer. 1, 2 et 3. Ok, on a rien. Donc moins 3. Il nous reste 72, hein, et donc divisé par 6, on a bien les 12 tentats. 14% là, ce serait bien peut-être. Espérons. Alors. 1%, 2%, 3%. Bon, c'est pas fou. Si j'ai 3% là-dessus, c'est légal, hein, ça va très bien. Moi, ça m'ira. Et le PA qui passe. Bon, bah, c'est un item qui n'a rien d'incroyable. Hein, c'est un jet tout à fait commun qu'on en voit beaucoup dans le commerce. Mais c'est propre, voilà, c'est propre, la chance que je suis bien content d'avoir à 98 et pas à 95. On va donc passer à l'item suivant, alors je sais pas ce qu'on va faire, j'ai pas mal de trucs qui traînent. Voilà, pour ce petit amulette de chocotte qui m'aura pas tellement embêté au final, hein, ça s'est plutôt bien passé. 95, on retombe à 0. Ok, bon, ça aurait pu être pire. J'ai donc plus 85, 85 depuis. Bon, ça va que l'item est pas très dur à FM, je vais essayer de monter les restes feu. Bah non, elles sont bien là, elles vont tomber tout pile à 25. Alors, on va y aller là-dessus. Hop, moins 12 ici. Les réfixes. Hop, moins 12 à nouveau. Pourcent de reste distance, c'est ça qui me fait un peu peur. Ok, on a un crit. On va garder le dernier pour la fin. 3, 4, moins 24 ici. Moins 7, ça se passe plutôt bien. Bon, 30 depuis. Il faudrait un crit là-dessus, ce serait vraiment chouette. Ça nous laisserait 5 tentats restes derrière. Et on n'a pas de crit, mais on a un succès neutre, ce qui est tout à fait correct. Ça me laisse 2 tentats res R. C'est de la res R que j'ai envie de caler là-dessus. Si j'avais pu avoir juste un succès, ça me convient. Ok. Ok, c'est honnête. C'est pas le G du siècle. Je briserai peut-être d'autres PA dessus par la suite, mais là, on va pas forcer plus que ça. Et on va rester là-dessus. Je vous commande cette tentant en différé, alors j'ai eu un sacré coup de poisse, puisque le record n'a pas marché, en fait j'ai l'audio qui grésille à fond, ça m'avait déjà fait ça dans une vieille vidéo de FM, c'est assez rare, mais bah, quand ça m'arrive, je suis obligé de cut au montage l'attentat qui correspond. Sauf que celle-ci, bah, j'ai pas vraiment pu la cut, donc je suis obligé de vous spoil, hein, ça va passer là-dessus bien sûr. Et donc je vous refais le commentary en le différé pendant le montage. Voilà, donc bon, on avait un jet quand même là qui partait assez bien, hein, la sagesse vachement clean. La vitalité en moins 1 et perfectionniste. Je vais chercher bien sûr les 70 en chance. Donc là, technique classique, hein, le petit over que j'enlève ensuite. Alors là, je me suis planté dans l'ordre à nouveau. Je crois que je l'avais déjà fait, hein, dans la vidéo, c'est-à-dire que j'ai passé la vitalité avant de m'occuper de la chance, alors que si j'avais fait dans l'autre sens, j'aurais pu récupérer une tentape à vie sur l'over chance, hein, ce qui aurait été plus intelligent. Bref, en tout cas, là j'ai un jet qui est du coup ultra propre et j'ai de quoi faire 15 tentats, hein, 91 depuis. C'est vraiment énorme, même pour un item appui PA, hein, sachant que le maximum qu'on peut avoir c'est 16 tentats. Donc c'est quand même pas mal du tout. Et donc là on est parti pour les 15 tentats. La première qui passe, la deuxième qui passe. Quand ça commence comme ça dans les cas là, on est quand même ultra content. Et puis peut-être le quatrième, je vous laisse découvrir ça. Pas de quatrième pourcent. Et donc le PA, voilà, comme je l'ai dit, qui repasse là-dessus. En plus, je suis deck parce que ma réaction était assez sympathique. Mais vous ne l'aurez pas. Encore un petit plus PA ici. On va commencer par mettre la chance à 45. Bon, je me permets d'aller chercher le perf à chaque fois parce que là, on est sur des valeurs qui sont tellement simples à manipuler. Ce serait dommage de s'en priver, je trouve. Hop, on a du crit en plus, c'est nickel. Voilà. L'agilité qui va venir à 45 sans problème, moins 6. Ensuite les deux R, moins 10, 15, 20, hop. La fuite, ça passe. Crit. Et succès neutre. Ok, 56 depuis restant. On va y aller comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, moins 21, hop, 35 restants,
Ensuite, moins 4. Ça me laisse 31 depuis, soit 5 tentats là-dessus. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Petit IPA. Toujours pas. IPA suivant, on a ici 96 depuis. C'est parti. Alors, 15, 12, moins 12. On vient enlever avec les réécrits, bien évidemment. Hop. Alors ensuite, l'agilité. Ouais, ça m'a pas pris depuis, hein, je vérifie. Moins 3, moins 6. À nouveau, les réécrits pour enlever l'over. Voilà, c'est nickel. La vitalité qui tombe sur un perf. Moins 3, c'est parfait. Le reste de l'item est plutôt clean. Moins 10. Le Tokri restant. 5. Et le petit, la petite reste-feu. Moins 6. 54 depuis. Moins 2. Moins 9. Et 43. Bon, on aura un depuis inutilisé a priori. Moins 2, ça nous fait 40. Ça m'arrange pas des masses tout ça. Bon, on va tenter 1 et 2. Moins 4, 37. Ce qui nous laisse 6 tentats là-dessus. Si je me suis pas planté. Et la dernière passe. Ok, ça nous fait un 5 récrit sur un jet vraiment sympa. Et on a le PA là-dessus. Est-ce que je tente le PO ou pas? Je vous dis ça dans une seconde. Tentative suivante. Alors là, j'étais un petit peu en train de remonter mon jet et j'ai à nouveau le PA qui tombe. Donc j'ai un truc qui est pas très très clean. J'ai 87,8 depuis. On va voir comment on peut exploiter ça. Mais je suis pas... J'ai conscience que ça peut être compliqué, quoi. On va y aller sur déjà deux rachats. Hop, ok, ça passe plutôt bien. Ensuite, on va enlever le petit over avec une raise fixe. Hop. Ensuite, la vita. On a moins 9, moins 19. Hop. Il est à l'initiative. Moins 6, dommage. Une passa qui passe, moins 9. Ensuite, les dommages hauts. Bon, ça me laissera pas énormément de puits à la fin, je pense. Si j'ai du crit comme ça. Moins 10, mais bon, ce sera correct. Hein. Puis de toute façon, comme ça se termine en tenta PO, là, je cherche pas forcément à avoir... Ah, c'est toujours mieux hein, si j'ai plus de res, mais si j'ai ne serait-ce que 2%, ça me va très bien. Moins 14 là-dessus. Ça nous fait donc 28. Donc là, pareil, j'ai, il faudrait que je gagne 2 depuis. Donc on va essayer d'y aller. On va essayer d'y aller avec un crit sur les res. Hop, pas de crit. Donc là, bon, à partir de ce moment, c'est un petit peu mort. Ça me laisse donc 4 tentatives. 4 tentatives, allez, 1, 2, 3 et 4. Bon, 2%, c'est très bien. Si je peux avoir le PO là-dessus, ce sera nickel. On continue avec une tenta à 91 depuis. Alors, la vitalité va y aller en premier, je pense. Ouais, hop. Moins 20. Là, je vais mettre une rune qui pèse 3. Est-ce que j'y vais sur la chance? Ce sera même pas spécialement utile. On va plutôt y aller sur... C'est de la païnée, ça. Ouais, hop. Voilà, comme ça. Et là, on va y aller à l'arrachat. Hein. Ça sera mieux, je pense. Ok, le crit. Là, j'ai moins 7. Moins 17. Moins 27. Hop. Ensuite, on enlève l'overchance. Ok. Et je crois qu'on est presque bon, là. Moins 6. 38 depuis... bah c'est parti, hein. Bon pareil je peux tenter les. Je peux tenter des crits à non plus de pouvoir là mais c'est. Bon, ça sert à rien. Concrètement. Hop. Donc 6 tentas. Tentas, c'est parti. Une 1%. Et bien sûr, c'est là-dessus que le PA passe. On a ici une tenta à 95 depuis. Bon le G va être à peu près clean. Moins 3. Le petit crit, ah il me faudrait deux crits à l'arrachat, ça me ferait chier d'aller chercher des runes, il suffisait que je le dise. Donc j'ai dit moins 13 pour l'instant, décidément. Hop, allez on va se reprendre, on va
va prendre 100 ou 200 rachats, ça devrait le faire, en plus ça vaut pas très cher celle-ci. C'est pas un problème. Hop. Les petites runes. Bon, je sais que idéalement il faudrait regarder si les chats, si les pas chats sont moins chers quand on fait du craft et tout. Hop, je suis pas à ça près. Hop là, en plus je me suis fait quelques petits camas, j'ai un bouclier qui va m'être livré aujourd'hui, un bouclier Stalag 2% R, ce qui fait tout de même assez plaisir, donc j'ai provisionné les camas pour ça. Hop. Ok, moins 10 à nouveau. Puis on est presque bon là, on va pouvoir y aller. Hop, les petits dommages, le crit. Moins 12 sur les raises, c'est dommage. Alors, il me faudrait un crit là-dessus, ce serait bien. Dommage, moins 7. Je sais pas ce que j'avais avant dans le FM. Là, je sais pas. Vous voyez, j'ai repris. J'avais peut-être un de puits en rab. Là, ça me fait 53. Allez, je vais dire que j'ai 54. On va faire le fou. J'ai décidé de jouer mon aventurier. On va dire que ça passera. Là, j'ai pas grand-chose à... Ah, là, je commence à avoir quelque chose à perdre quand même, hein. Ah bah non, je sais pas si j'avais du puits en rab. Si j'en avais pas, je suis un peu bloqué, donc on va rester là-dessus, je pense. Ah, j'aurais dû... je pensais que ce serait à la rage, quoi. Puis si j'ai un 3% là, sur un jet comme ça, allez. On va remettre le petit PA, bien sûr, qui passe. Ok, toujours pas, on va remonter l'intel. Je vais essayer d'avoir un jet équilibré dans toutes les stats. Mais ok. Alors là, manifestement, quand on a un moins 1 d'intel, moins reliquat, c'est qu'a priori on était retombé à 0 depuis, je vais partir de ce principe, donc on doit avoir 97 ici. Ce qui veut dire que, alors déjà, première chose que je vais faire, ça va peut-être être de forcer le passage des récrits à 22. Est-ce que je risque de me retrouver dans un cas où je vais over quelque part? Je pense pas. La vitalité 241, c'est un peu short, mais si je monte, ça va monter à 256. Et là, ça va être un peu embêtant pour moi. Bon, on a quand même pas mal de puits sur l'item. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les réécrits. Allez, moins 4. Ensuite, on va remonter Rester. Et moins 6. Les réécrits, on va les mettre à 25. On a un crit là-dessus, ça fait plaisir. Je vais chercher plutôt... Est-ce que j'équilibre le G ou est-ce que je néglige un des éléments? On va voir ça. Je vais commencer déjà par remonter la force. Ou l'intel. Ouais, l'intel. Ok, crit là-dessus. Bon allez, j'étais parti pour faire un G propre. On va faire un G propre. Tant pis si on a moins d'exorès du coup. Ok, si on continue à avoir du crit comme ça, on pourra bien s'en sortir, je pense. Oh bah décidément. Décidément, c'est plutôt agréable tout ça. Ok, on a un moins 3 ici. Est-ce qu'il serait pas l'heure de monter les dommages? Non, je vais continuer sur les stats. Moins 3. Bon, pour l'instant, c'est plutôt correct. Moins 3 ici également. Là, on est à 78 depuis encore. Hein. Allez, on va aller chercher le beau G. On a un crit là-dessus. La sagesse, je vais la laisser à 28. Hein. Je vais pas être trop pinailleur parce que j'ai pas envie de foirer le brisage. J'aimerais bien terminer sur un item qui me convient pour jouer. Alors les dommages, c'est tout de suite plus compliqué. Alors là, on en a 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ah, quel dommage. Moins 40 depuis là-dessus. Ça nous laisse 38. Bon, je pense que je vais y aller au bout. Hein. De toute façon, au point où j'en suis... Ou alors j'ai 6 tentes à reste là-dessus, ça peut être pas mal aussi, mais allez, non. On va pas faire les fragiles, ok, j'ai bien fait. Un petit au feu, ce serait bien que ça me prenne pas trop de puits. 2, 3, 4. Moins 20, ça me laisse 18. Bon bah ça me laisse tout pile 10 tentes à repère. Je vais laisser la vita à 241, même si ça me fait un petit peu mal au cœur. 3 tentes à, j'aimerais juste en avoir une. Voilà, nickel. Ça me fait un G, qui est correct. Moi, sur ce genre de jet, je serais quand même d'avis à mettre plutôt des PA que des PM. Hein. En général, les PM, c'est plus optimal. Ah bah pas mal, pas mal. Un PA, c'est quand même mieux que quand il n'y a pas d'exo pour 100 res ou d'exo d'overvita, un truc comme ça. Moi, je préfère mettre un PA. C'est plus optimal, quoi. Après, bon... De toute façon, sur des jets comme ça, voilà, si ça lui fait plaisir. Donc, apparemment, il était en galère. Il m'a dit que ça faisait plus de 400 tentatives qu'il avait rien. Bah, on va quand même continuer, hein.
Des fois qu'on en a un deuxième qui passe. Moi, ça m'arrive jamais sur mes items, mais sur ceux des autres, hein, on passe toujours des petits trucs. Ok. Ok, le petit double exo. Bon, encore une fois, dommage que ce soit sur des jeux comme ça, quoi, mais bon, ça, c'est quand même. Je pense que lui, ça doit lui faire sacrément plaisir. S'il était en période de galère. C'est pas la première fois que je passe deux exos d'affilée, mais là, c'est quand même assez atypique. Bon, bah, allez, on continue, j'ai envie de dire. Oh, yes! Yes, le petit PM qui passe. Eh, ça fait plutôt plaisir tout ça. Vous en pensez quoi là? Bon, bah, on s'en sort pas trop mal, hein. Je crois qu'on était. J'avais quoi? Je devais avoir 37 ou 39 runes. 91 depuis là-dessus. Bon, il va falloir faire un over vita. Moins 15, bon ça va, ça aurait pu être pire, mais c'est déjà un petit peu triste. Les récris sont maximisés, on va venir enlever l'over, on va passer l'intel à 39, moins 1. Les deux pouces sont à 20, froid, ça va être infernal ça, bon bah à mon avis, on va crever là-dessus. Moins 6, allez on a 69 depuis, il va nous falloir monter à 22. 2, 3, ça va, ça a été gentil. Ça a été cool. 54, si je peux avoir un crit là-dessus, ça nous ferait 9 tentats. Hein. Bon, j'ai pas de crit, mais ça passe. On a 39, il me faudrait un crit avec une rune qui pèse 3, ou alors je peux essayer de faire un over intel. Pour aller chercher les 40 d'intel, ce qui serait bien aussi. Je vais tenter plutôt 3 fois la rune innée, je pense. Ouais, oh, j'hésite. Allez, non, on va être un peu joueur, on va mettre une... Non, pas faux, il y en a sur l'item. Il me faudrait une rune... Qui pèse 3, une page, c'est exactement ce qu'on veut. Voilà, comme ça, si j'ai un crit, je gagne une tenta. Ok, moins 3. Donc on a 36, et là on a 6 tenta res. Et j'avais dit 6. C'est parti. 2%. LPA. Et il y a le PO. Bon, bah voilà, on s'en sort. 89 depuis là-dessus. On va commencer par la Vita. J'avais passé les deux poux à 22 juste avant. Et par chance, c'est resté comme ça. Donc ça nous met plutôt bien. On a moins 10 ici. Je vais tenter d'avoir le moins 6 à l'ini. Ce serait bien. Oh, décidément, ça se passe bien en ce moment. Allez, 1, 2, 3, 4, moins 12. Je rêve ou on va avoir un G-perf là? Ok, on est à moins 24 pour les paires écrits. 43 restants, et bah il nous faudrait juste un... Oh putain, mais j'avais un G-perf quoi! J'avais un G-perf, j'avais la vie, la force, l'intel, la sagesse perf. 87 depuis ici. Je vais garder la vita pour la fin. On va commencer par les deux poux. 5. C'est les trucs les plus violents. Ok, moins 30, ça passe à peu près. Dommage terre, dommage feu. 10. La sagesse, on touche pas. Écrit, moins 2. Moins 18, bah décidément on a tout en succès neutre. 22 de puits restants, qu'est-ce qu'on fait avec les 22 de puits restants, je vous le demande. On peut partir sur une double ravie. Auquel cas il va falloir qu'on voit ce qu'on fait des 2 de puits. Hein. Je pense que j'avais pas de puits résiduels d'avant, hein, donc je dois vraiment avoir 22 là. Il est tombé où le PM? Il est tombé là, ouais. Hein. Ouais, là à mon avis c'est très très peu probable. Que j'ai... Il y a du puits restant, là j'ai eu un plus 1. Là j'ai eu un moins 4. Ouais non, à tous les coups j'ai plus rien. Donc j'ai 2 de puits en rab et je vais avoir 2 tentats ravis. Donc on va partir sur double rune innée. Pour qu'on puisse choper le 59. Et 2 ravis. Voilà, j'en ai une qui passe. Si j'ai le PM, ça me va comme j'ai, c'est pas mal. Ah bah cool. Bah voilà. Deuxième QPA là-dessus, alors on a 97 depuis ici, on va commencer par un petit over vita. Alors 1, 2, moins 6. On va tout de suite enlever l'over vita avec une rune réécrit
Ça, c'est nickel, c'est tout ce qu'on aime. Ok, on passe à 249, on n'aura pas mieux, malheureusement. Je vais garder la chance et l'agilité à la fin, on va les faire en over. Ensuite, la sagesse, c'est toujours un peu délicat. On a un double crit à la passe, ça fait plaisir. Do R, Do O, moins 10. Hop, le retrait PA. Ça nous prend... Oh, 21, 20... Ok, moins 21, bon, ça pique un petit peu. Après, ce qui est bien, c'est que là, quel que soit le jet que j'ai fait final, si le PA repasse, je tente le PO. Donc bon, ça peut... c'est quand même moins désagréable à faire que des jets qui ne concluent même pas sur d'autres items. Alors, on a 2, 3, moins 18. 42 depuis, restant là-dessus. Bon, ça va nous faire quand même un petit over-écrit sympathique, je pense. Moins 10. Le petit over-chance. Hop. Il nous prend 12 depuis quand même. Ah, ça pique. Hein. Pour aller chercher le perf, ça coûte cher. Hop. Je vérifie que j'ai rien oublié. A priori, on est bon. Moins 15 sur l'agilité. Décidément, là, on a un peu défoncé l'item quand même. C'est pas grave, hein, pas de regret, je vais vraiment aller chercher les 45 de stats à chaque fois. On a un succès crit sur la recrit, tiens, ça c'est assez atypique à ce moment-là du FM. Et voilà, on a remis l'AG à 45 et il nous reste moins 10 depuis. Je devais avoir, je pense... Merde, j'avais combien? Ça a fail. Ok, je devais avoir 5, je pense. 1, 2, 3, 4 et 5. J'avais 5 ou 10? Ouais, non, j'avais 5. Allez, le petit PA, bam. On était en train d'enlever un over vita, hein, si je ne m'abuse. On a un crit juste quand on n'a pas besoin. On a deux crits quand il en faut pas. C'est bien, ça. Voilà, bon. Ensuite, la J. Moins 3, moins 6. Mettre la chance aussi, éventuellement. Moins 9. Ah, la récré qui est passée à 7, ça m'arrange pas des masses, tout ça. Ok, on est good. Ensuite, les deux hauts qui passent à moins 5. Bah on est pas trop mal, là. En vrai, si je pouvais avoir le PO ce soir aussi, ça me ferait une soirée plutôt rentable. Hein. Alors, on est à 3, on est à 6 pour l'agilité, moins 6. Ensuite, les récré pour enlever l'over. Ok, oui, on a 72 depuis, 72 c'est vénère en vrai. Hein. On va faire le petit de moins 4, on est donc à moins 2 ici, c'est énorme comme puits là, on a une tenta monstrueuse. On a moins 3, on a moins 6, on a moins 9, on va passer à 0, enfin on va regarder combien on a plutôt, 61. Bah, 61 en fait ça me laisse 10 tentas par écrit, hein, que je sois à moins 1 ou à 0 c'est pareil, ça me laisse 10 tentas là-dessus. Donc, bon, on est parti. On est complètement parti, j'ai envie de dire. Allez, normalement, là, tout est bon. Je me suis pas loupé. Il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de manque sur l'item. On va regarder si je sais compter le puits ou si j'ai encore fait énorme comme un gogol. Là, on a déjà 5 récris. C'est beaucoup 5 récris. Hein. Si on pouvait avoir 8 récris, ce serait monstrueux. Et j'ai bien compté mon puits. Hein, donc, on a quand même une très très belle tentative ici. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Et on a le PA là-dessus en plus. Donc, déjà, on a un très très beau jet. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas bien sûr vous pouvez liker, partager, commenter et vous abonner, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.